Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette rencontre au sujet de l'environnement nocturne proposé par les parcs naturels d'Île-de-France et l'Institut Paris Région. On est ensemble pour 2 heures ce soir pour vous proposer une invitation à redécouvrir l'environnement nocturne, peut-être à se réconcilier avec la nuit. Je suis Nicolas Cornet, écologue au département environnement de l'Institut Paris Région et j'animerai cette rencontre. Je serai aussi le maître du temps pour les interventions et je distribuerai la parole, et notamment les questions. Questions que vous avez la possibilité de faire remonter au moyen du logo QEA pour Question and Answers. Voilà, pour toutes les questions qui sont de préférence en lien directement avec les présentations. Nous avons 9 intervenants et intervenantes aujourd'hui que je vous présenterai au fur et à mesure de leur apparition. Et je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet avec Marie Chevillotte, chef de service ruralité et bioéconomie à la région Île-de-France. Marie, c'est à vous. Bonjour à tous. Juste quelques mots pour vous dire que nous sommes très heureux de ce webinaire organisé par les parcs et l'Institut Paris Région, parce que les PNR sont pour la région vraiment des territoires d'expérimentation, d'innovation et de diffusion de nouvelles pratiques. Donc ce webinaire en témoigne pleinement parce qu'il vient rendre compte justement de leur action et de leur capacité à fédérer de nombreux acteurs autour du sujet de la sobriété lumineuse. Donc ce sujet, il est particulièrement important pour la région Île-de-France, car il est à la croisée de nos politiques en matière de biodiversité, de sobriété énergétique et de santé environnementale. Donc je vais laisser mes collègues aussi vous présenter nos dispositifs en la matière et juste peut-être remercier tous les participants à ce webinaire. Voilà, je pense que ça témoigne de l'importance et de l'intérêt pour ce sujet. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Clotilde, que je laisse se présenter et je vais vous afficher la présentation. Bonjour à toutes et tous. Donc moi c'est Clotilde Caron, je suis la chef du service climat, air, énergie. Et du coup, comme le disait Marie, la région est sur le sujet de la biodiversité, le sujet de l'énergie et du climat, sur le sujet de la santé environnementale, mais Lola en parlera après depuis plusieurs années. Donc on a des stratégies, des plans qui viennent en déclinaison de ces sujets. Et moi, je voulais vous pointer du doigt ce soir deux dispositifs qui fonctionnent depuis plusieurs années, qui sont encore ouverts, qui resteront ouverts et sur lesquels vous pouvez nous solliciter. Donc le premier, c'est un appel à projet pour la reconquête de la biodiversité en Île-de-France. Donc ce qu'on va soutenir dans cet appel à projet-là, ce sont tous les projets qui vont viser le déploiement de la trame noire et de la préservation de la faune nocturne. Alors, on vous a cité des exemples pour illustrer. Donc, ça peut être des travaux de restauration des milieux, des nichoirs, des diagnostics, des études, de la sensibilisation. Et donc, on va pouvoir aller en fonction des dépenses jusqu'à 50% ou 70% des dépenses éligibles dans un plafond de 20 000 ou 200 000 euros. Donc, on vous a mis un petit bilan de cet appel à projet pour vous montrer que vraiment, il fonctionne et qu'il a des réelles répercussions. Donc, on a accompagné jusqu'à 7 projets pour 166 000 euros, dont un sur le périmètre du PNR du Gâtinais. Et ça représente plus de 190 communes engagées sur la trame noire. Donc, ça, c'est un premier appel à projet que vous pouvez solliciter. Et le deuxième, pour rester dans la thématique, c'est sur l'éclairage public et la réduction de la pollution lumineuse. Donc, sur cet appel à projet-là, on va subventionner tout ce qui est études pour le schéma directeur d'éclairage public, tout ce qui est bien sûr rénovation de l'éclairage extérieur et la mise en place d'appareils, d'accessoires qui permettent une maîtrise de la quantité d'éclairage, comme par exemple les horloges astronomiques ou les commandes individualisées ou centralisées de réduction de tension. Donc, actuellement, ce dispositif, il est pour les collectivités uniquement de moins de 20 000 habitants. On aura peut-être des évolutions prochainement sur ce point-là. Donc, je vous encourage à utiliser l'adresse contact pour vous tenir informé ou nous poser toutes vos questions. On va pouvoir vous aider jusqu'à 150 000 euros pour tout ce qui est investissement sur ce dispositif-là. Et sur
sur ce dispositif qu'on a commencé en 2020. On a déjà financé pour plus de 5 750 000 d'aides. Ça représente plus de 33 000 luminaires et puis ça couvre 116 communes engagées. Donc on a vraiment ces deux dispositifs-là qui concordent avec la thématique de la soirée. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour y avoir recours. Bonjour à tous, Après. du coup j'enchaîne. Oui. Pour me présenter rapidement, donc je suis Lola Chupin, je m'occupe à la région Île-de-France de toutes les questions de santé environnementale et notamment de l'élaboration du plan régional santé environnement 4 qu'on copilote avec l'Agence régionale de santé et la préfecture de région et plus spécifiquement la DRIEAT. Donc, avant que vous rentriez vraiment dans le vif du sujet de la pollution lumineuse, je voulais revenir rapidement avec vous sur ce qu'était un PRSE, donc Plan Régional Santé Environnement, et comment vous pouvez nous aider à le construire, puisque la pollution lumineuse, c'est vraiment une thématique qu'on aimerait faire transparaître dans ce plan. Donc, le plan, donc le PRSE, c'est notre feuille de route pour les 5 prochaines années à venir. Sur tout ce qui va être les facteurs environnementaux qui affectent à la fois notre santé, celle des animaux et de manière plus générale celle des écosystèmes. Pour vous situer un petit peu la période dans laquelle on se trouve, donc un PRSE, ça se renouvelle tous les 5 ans. Et là, on est à la jonction entre le PRSE 3 qui s'est fini en fin 2021 et on doit élaborer ce prochain plan pour fin 2023. Donc l'élaboration a commencé et on est dans une période de concertation des acteurs de la santé environnement dont vous faites partie, donc depuis le 12 septembre et ça finit le 30 octobre. Donc je tenais vraiment à vous présenter donc la plateforme qu'on a lancée. Donc vous avez le lien sur la diapositive et le QR code que vous pouvez scanner pour y accéder, mais je vous le remettrai dans le chat. Donc pour participer, donc vous pouvez aller sur cette plateforme et remplir un questionnaire. Qui consiste à vous demander quelles sont pour vous les grandes priorités en termes de santé environnementale pour l'Île-de-France. Et ce qui nous intéresserait beaucoup, c'est si vous pouvez déposer un cahier d'acteurs spécifiquement sur la thématique de la pollution lumineuse, donc cet enjeu-là, et nous dire quelles actions vous souhaiteriez porter ou est-ce que vous avez identifié d'autres acteurs qui pourraient porter des actions spécifiques. Donc voilà, je tenais vraiment à passer ce message-là, vu qu'il reste que 3 semaines pour cette concertation publique. Donc on a vraiment envie de construire ce plan avec les acteurs de terrain. Donc en tout cas, si vous avez des questions par rapport au PRSE à cette concertation, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, donc je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup Lola. Et pour ceux qui ne seraient pas convaincus du lien entre santé et éclairage, on va notamment aborder le sujet. Je propose maintenant à Manon Rieutor de prendre la parole. Manon, tu es notamment chargée de la production éditoriale à Agir pour l'environnement et tu vas un peu resituer le cadre de ce webinaire dans son champ plus large, qui est le jour de la nuit que vous avez notamment initié avec l'association. Manon, c'est à toi. Alors, oui, merci. Du coup, je crois que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc oui, ce webinaire a priori se tient dans le cadre du jour de la nuit. Et le jour de la nuit, du coup, c'est cette année le samedi 15 octobre, donc dans 2 jours. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement national de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection de la biodiversité et à la beauté du ciel étoilé. C'est initié chaque année depuis 14 ans par Agir pour l'environnement en partenariat avec 14 structures, dont évidemment les parcs naturels régionaux qui sont très actifs sur le sujet. Alors cette année, on a plus de 750 participants. C'est vraiment génial parce qu'on est dans une super dynamique. On n'a jamais atteint ce record de participation. Et quand je parle de participation, c'est-à-dire que c'est des animations et des extinctions d'éclairage public ou de bâtiments publics. Animation, ça peut être observation de la nature, light painting, des balades au flambeau, des rallyes photos. Vous pouvez trouver toutes les animations sur le site du jour de la nuit. C'est en ligne, c'est sur une carte. Et voilà, donc on est super content. Pour resituer un peu aussi, Agir pour l'environnement, c'est une association de mobilisation citoyenne qui mène des campagnes sur différents sujets écologiques.
On n'est pas uniquement concentré sur la pollution lumineuse, mais en tout cas, quand on s'est lancé dessus il y a 14 ans, c'était à l'origine une campagne sur les guirlandes de Noël. Et elle a eu en fait, on a constaté un réel engouement autour de cette campagne. Donc, on s'est demandé comment pérenniser tout ça. Et l'idée est venue, du coup, de créer un événement national chaque année dédié à la pollution lumineuse, c'est-à-dire pas seulement sur les aspects de sobriété énergétique, mais vraiment sur la santé, la biodiversité, l'observation du ciel et, donc, bien sûr, l'aspect énergie. Voilà, donc tout est parti de guirlandes de Noël, pour information, il y a 14 ans. Voilà, pour la petite présentation. N'hésitez pas à aller voir le site. Jour de l'année. Merci Manon, de toute façon on te retrouve en fin de guillemets, restez jusqu'à la fin parce que Manon va vous présenter un kit juridique pour faire entendre vos droits si vous estimez que vous êtes exposé à une pollution lumineuse ou à une nuisance. Oui. Et Virginie Nicolas, je pense, fera un plaisir de répondre également sur la question des guirlandes lumineuses. Du coup, c'est à moi de rentrer en scène et de vous proposer un petit topo assez général sur la lumière un peu dans tous ces états. C'est-à-dire que dans le cadre de cette rencontre sur se réconcilier avec la nuit, il m'a paru quand même aussi important d'essayer de se réconcilier avec la lumière. Parce que si la lumière est beaucoup décriée en ce moment, et on va vous dire pourquoi, on va vous donner des arguments pour, n'oublions pas aussi qu'il y a beaucoup d'éléments qu'on doit à la lumière. Notamment sur cette photo, on voit un halo lumineux qui entoure une cathédrale, mais ce halo lumineux est provoqué par la pleine lune et non pas par un éclairage public. Du coup, la lumière est une, par nature assez duale. En physique quantique, la lumière se comporte à la fois comme une onde et une particule, mais c'était aussi une dualité pour nous, car c'est un besoin pour l'œil humain qui n'est pas adapté à la vision nocturne, dans l'obscurité, un besoin qui, s'il est mal, si on y répond mal, peut devenir très rapidement une nuisance. Je remonte très loin, mais d'abord je vais vous définir rapidement, qu'on soit un peu tous au même niveau d'information, à ce que c'est que la lumière. Globalement, en fait, sachons que quand vous percevez un rayon lumineux dans votre œil, c'est la somme de plein de longueurs d'onde différentes qui vont du bleu au rouge. Les spectres lumineux des ampoules que nous avons pour nous éclairer n'ont pas toutes les mêmes caractéristiques. Vous avez à droite les différentes températures de couleur, c'est-à-dire la proportion de rouge ou de bleu du coup dans le spectre lumineux qui vont pour les éclairages qu'on utilise globalement du blanc froid au blanc chaud, en sachant qu'aujourd'hui la réglementation consciente de l'impact du rayonnement bleu notamment sur l'œil humain a mis un maximum à 3000 Kelvin pour les éclairages publics, ce qui correspond à un blanc chaud. Et pour avoir un repère, sachez que un écran d'ordinateur est environ à 6500 Kelvin. Voilà. Je remonte, oui, décidément, deuxième chose, voilà, une petite phrase, une boutade, mais c'est vrai que c'est intéressant à avoir en tête, c'est que la pollution lumineuse disparaît à la vitesse de la lumière. Contrairement à toutes les autres pollutions, on n'a pas besoin de dépolluer un endroit, d'interrompre l'interrupteur, et tout va bien. Alors, ce que l'on doit à la lumière, ça m'a paru important, parce que même si ça vous paraît un peu loin de vous parler de la domestication du feu, ce que nous devons à la lumière est assez incroyable, puisque l'apparition du feu dans nos sociétés, 400 000 ans, dans nos systèmes sociaux, apporte à la fois la chaleur et la lumière. La chaleur qui permet de cuire les aliments, et qui du coup augmente la capacité nutritive qu'on mange, et c'est notamment ça qui a été un facteur de développement de notre cerveau, et comme le montre... Minus et cortex en droite, c'est notamment pour ça qu'on a pu conquérir le monde. Alors, est-ce qu'on s'en vante ou pas? Je vous laisse juger. Toujours est-il que la lumière nous a aussi aidé à prolonger les périodes d'activité et à éliminer les prédateurs. Ça paraît lointain, mais quand on interroge les acteurs, ce que j'ai fait sur notamment le PA Paris-Saclay, on voit que les sujets de proie prédateur et de prolongation de la période d'activité sont toujours très prégnantes. Le directeur de l'aménagement de l'université Paris-Saclay parlait en ces termes. Le sujet d'extinction n'est pas simple car les gens finissent tard. Et il rajoutait que, pour notamment les étudiants sur ce site, il y a la crainte de rencontrer quelqu'un caché dans un buisson avec un peu la proie qui attend son prédateur.
peut rappeler également que si on a besoin de lumière, cette lumière n'est pas nécessairement toujours artificielle, car de nuit, il est très rare qu'on ne voit rien, notamment un jour de pleine lune, un soir de pleine lune, on y voit quand même très bien. Ce qu'on doit à la lumière, et ce qu'on doit également à la lumière bleue, c'est des effets très bénéfiques sur notre santé, notamment le fait que si nos cycles biologiques sont calés sur 24 heures, c'est parce que notre œil, les fonctions non visuelles de la rétine, captent le rayonnement bleu et informent notre corps qu'il s'agit de la journée et qu'il s'agit de la période de veille. Sans ça, si on se met dans une grotte, nos cycles endogènes se décaleront de 20 minutes à 1h30 par jour. Donc c'est grâce à la captation de ce rayonnement bleu le jour que nos organismes arrivent à se caler sur ce cycle de 24 heures. Par contre, si on prolonge l'exposition à la lumière, notamment au rayonnement bleu, on peut dérégler ces cycles journaliers, car la lumière inhibe la sécrétion d'une hormone bien connue, la mélatonine. Je vais un peu décrire les éléments, les propriétés de la mélatonine juste après. Si on fait un sondage rapidement et qu'on interroge les gens sur quel est l'impact de la lumière sur la santé, le sommeil vient en premier, et notamment à juste titre avec la fonction de la mélatonine qui régule notre sommeil. On sait moins, c'est que la mélatonine a de très nombreuses fonctions. Elle régule également la température corporelle, un puissant antioxydant pour piéger les radicaux libres. Elle régule également notre système immunitaire et, pour couronner le tout, elle a la capacité de stopper l'évolution des tumeurs. Donc, en deux mots, quand on diminue notre sécrétion de mélatonine due à une exposition à la lumière artificielle, on se prive de tous ces effets bénéfiques qui sont gratuits et naturels. Les autres effets néfastes de la lumière, notamment bleue, sur la santé, sont qu'on a remarqué une augmentation du rythme cardiaque nocturne lors du sommeil, le corps percevant qu'il s'agit d'une veille. Les rythmes au repos pendant le sommeil sont plus élevés lorsqu'on dort avec de la lumière. On observe aussi une modification de la glycémie au réveil, avec des risques de diabète avérés sur le long terme, et également des dommages de perte d'acuité visuelle, car le rayonnement bleu peut induire une photosensibilité de nos yeux, avec des facteurs aggravant l'apparition de dégénérescence maculaire liée à l'âge. Donc en fait, l'obscurité, elle peut nous reposer, d'équilibrer nos organismes et de permettre de régénérer de façon totale et complète nos pigments visuels. En gros, le mot du médecin, qu'est-ce qu'il vous dirait ? Il vous proposerait de dormir dans le noir complet, de privilégier les lumières oranges de faible intensité et, si vous avez besoin d'une veilleuse, notamment pour vos enfants, de mettre ces éléments au sol. Ces éléments de médecine sont en totale adéquation avec les éléments de décologue qui vous seront présentés juste après. Et gardons en tête que les chronobiologistes parlent en ces termes, tout ou presque tous les tissus de notre corps ont des rythmes qui sont calés sur le cycle jour-nuit et les perturber menace de faire effondrer un peu tout notre système. J'arrive maintenant à des sujets un peu plus en lien avec mon cœur des thématiques qui seront réexposés par d'autres des intervenants juste après. Quel est le lien entre la lumière et la biodiversité ? Sachant que la lumière impacte différentes espèces, qu'elles soient nocturnes ou diurnes, animales ou végétales, et au sein de ces espèces, différentes fonctions. C'est difficile à comprendre pour nous, mais en fait, la lumière peut constituer une réelle barrière infranchissable pour certaines espèces, avec un effet de répulsion, ou au contraire, les attirer et les piéger, comme les moustiques autour d'un lampadaire ou les papillons. La lumière artificielle nocturne perturbe aussi les animaux, notamment dans leur migration, pour s'orienter, puisqu'ils utilisent beaucoup les astres pour se déplacer. Pour certaines espèces, c'est carrément la reproduction qui est directement mise en jeu avec les vers luisants, qui communiquent de façon lumineuse, avec une lumière naturelle. Et ça perturbe également les relations proie-prédateurs, puisque si on peut penser que les moustiques et les insectes nocturnes qui s'agglutinent devant un lampadaire favorisent les chauves-souris qui s'y trouvent, on constate qu'à grande échelle de temps et d'espace, l'abondance et la santé des populations de chiroptères est en fait amoindrie par la présence d'éclairage public. Quel est le lien avec le ciel étoilé ? Je vous donne un seul chiffre pour ne pas rentrer dans les détails. Sachez que 85% du territoire français est exposé à une pollution lumineuse considérée comme forte. Du coup, si on veut regarder les étoiles aujourd'hui, on est contraint de retourner, de se tourner vers la Bretagne, le bassin américain, d'aller en Bourgogne ou dans le centre de la France. Et je reviendrai un peu sur les besoins usagers au sujet de la lumière des étoiles juste après.
Au sujet des finances, il y avait un chiffre qui circulait beaucoup, qui, je pense, est de moins en moins vrai. C'est qu'il y a encore quelques années, l'éclairage public représentait 40% de la facture d'électricité des communes. Depuis qu'on passe au LED, les consommations énergétiques s'effondrent, mais on observe une augmentation phénoménale du coût de l'énergie. Je vous livre, brut de décoffrage, quelques citations d'acteurs récentes recueillies il y a quelques semaines, notamment toujours sur le plateau de Saclay, qui montrent à quel point il y a une inquiétude forte des communautés, des collectivités au sujet de l'énergie. Voilà, avec des mots assez forts, hein, le coût de l'énergie nous inquiète énormément, nous allons droit dans le mur. Une question à laquelle peut-être Virginie Nicolas pourra répondre. Au sujet de l'investissement et de la rénovation du parc d'éclairage, certains font le pari de rénover au plus vite, d'investir au maximum pour avoir des mobiliers qui sont moins impactants, moins énergivores et récupérer, du moins essayer de diminuer la facture. Certains acteurs commencent déjà à dire qu'ils sont déjà perdus, ce qu'ils avaient investi il y a quelques années dans les LED, et que si on ne coupe pas à courte échéance l'éclairage, on va droit dans le mur. Pourquoi je vous livre ça? C'est parce que c'est pas parce qu'il y a une urgence à juguler la facture énergétique, et c'est pas non plus parce que l'extinction serait un des moyens forts qu'il faut se priver d'une concertation et d'un accompagnement dans toutes les mesures qui peuvent être prises au sujet de la lumière. Parce que ça peut générer notamment un sentiment d'insécurité qui peut ne rien avoir de cohérent avec la réalité, mais un usager qui ne se sent pas en sécurité dans son espace, on aura beau lui dire qu'il ne craint rien, ce serait quand même regrettable. J'en viens du coup à une enquête qu'on a menée l'an dernier, ouverte aux usagers, sur la question qui a peur du noir, dans l'optique de recueillir les besoins en termes d'éclairage et quels étaient les facteurs qui favorisaient l'insécurité. En fait, les chiffres sont assez marqués, beaucoup plus que ce qu'on avait pensé. Un usager sur trois déclare moins bien dormir à cause d'une lumière intrusive. Du coup, si vous vous retrouvez dans ce cas, maintenant, on vous donnera des billes pour faire entendre votre voix. 69% des gens déclarent ne voir que partiellement ou pas du tout les étoiles et la quasi-totalité de ces personnes le regrettent. 70% des usagers trouvent que l'espace public est trop éclairé et 96% sont favorables à une diminution de l'intensité. Quand on interroge les gens sur ce qui les rassure, on retombe également notamment sur des couleurs chaudes et aussi le fait que ne pas être seul dans l'espace public est un facteur qui rassure. Donc du coup, à l'Institut Paris Région, on a estimé qu'il y avait urgence à remettre de façon vraiment centrale l'usager au cœur des débats au sujet de l'éclairage, qui, si il est in fine destiné à répondre à son besoin, l'usager est rarement concerté sur des choix techniques d'horaire et de température de couleur. C'est le cas dans les projets, dans les schémas directeurs aménagement lumière et dans les projets trames noires, mais globalement, lors de la rénovation au fil de l'eau des parcs d'éclairage, les décisions sont faites comme ça. On ne sait pas trop comment. Et finalement, si les décisions ne sont pas faites en connaissance de cause des impacts de l'écologie, des impacts sur la santé et avec des concepteurs lumière pertinents et innovants pour répondre au mieux aux besoins des usagers, on risque d'induire des choix qui sont regrettables. Si on propose de privilégier les économies d'énergie, poser la pollution lumineuse, puisque les LED ne consomment rien, et ce qu'on observe, c'est que la sécurité et la santé humaine, quand on analyse la presse sur un an, toutes sources confondues, sont les deux sujets les moins traités au sujet de la pollution lumineuse. Voilà, j'en ai terminé. Je vous propose maintenant d'écouter Virginie Nicolas, qui va nous faire part de son domaine. Virginie Nicolas, tu es conceptrice lumière à l'agence Concepto et présidente de l'association des concepteurs lumière et éclairagistes. Et nous avons besoin d'entendre les éclairagistes quand on parle de lumière pour pas rester dans un entre-soi d'écologue ou d'une discipline quelconque. Nous t'écoutons. Alors, je recommence ce miracle du partage. Est-ce que ça marche bien? Ou Très peut-être bien. comme ça? Ça va? C'est parti. Ok. Bonjour à tous. Effectivement, plaisir partagé parce que depuis quelques années, on travaille de plus en plus avec les écologues et c'est des métiers qui sont rapprochés, on se connaît de mieux en mieux, d'où ma présence ici. Donc moi, effectivement, je suis conceptrice lumière. Donc le concepteur lumière, c'est quelqu'un d'indépendant de l'industrie de l'éclairage, donc qui est un peu comme les architectes, c'est-à-dire on fait des projets, on les développe, on travaille dans la ville.
peut travailler aussi dans des musées. Enfin voilà, on est souvent assez variés. Dans mon agence Concepto, on est spécialisé en urbanisme lumière, les schémas directeurs d'aménagement lumière. On en fait depuis une trentaine d'années et on en a abouti à peu près 150 aujourd'hui. Et donc, je suis aussi présidente de l'association des concepteurs lumière et éclairagistes, avec la quantité de gens que vous voyez. Donc, c'est la fédération de tous les professionnels du métier. Donc, comme je répète, c'est important, c'est que des bureaux d'études indépendants des fabricants. Voilà, pour pas, parce qu'il y a aussi des fabricants qui font des études. Mais bon, là, nous, on est vraiment autonomes et on veut pouvoir faire des choix libres. Donc, on n'a pas d'intérêt à mettre plus ou moins de lumière, en gros. C'est pour ça qu'on est arrivé assez rapidement à travailler sur les trames noires. Donc le tournant pour l'urbanisme lumière, je vais pas vous faire l'historique de l'urbanisme lumière, mais bon, vous avez compris que ça s'était développé beaucoup avec les nouvelles technologies, le tourisme nocturne, avec l'extension du domaine de l'activité nocturne. Et il y a eu un tournant dans notre agence en 2012, c'était la trame noire qui est apparue à Rennes, voilà, dans un schéma directeur d'aménagement lumière. Donc ce projet-là nous a appris un petit peu à développer des méthodes. Ça a initié quelque chose d'assez important, parce qu'on a inversé en fait la pensée, c'est-à-dire penser d'abord la pénombre comme une structure cohérente et qui doit avoir des continuités. Avec la le truc qu'on connaît maintenant, c'est d'avoir la trame verte et bleue et d'aller justement superposer la trame noire. Et donc ça a changé à partir de cette date-là. Alors il y a eu à peu près tout le temps maintenant dans les schémas directeurs d'aménagement lumière une trame noire. Donc, on en propose toujours, mais elles ne sont pas toujours acceptées ou souhaitées ou nécessaires. Mais aujourd'hui, dans notre agence, on en a abouti une vingtaine. Voilà. Donc, c'est des échelles très variées. Comme vous le savez, ça peut être une petite ville, un quartier, ou ça peut être des agglomérations, voire des départements. Voilà. Donc là, par exemple, c'est Saclay, le projet dont parlait Nicolas Cornet. Alors, je voulais faire un petit point rapide pour dire juste la méthodologie qu'on utilise et des points d'alerte que je voulais partager avec vous. Déjà, effectivement, moi, je vais insister un peu plus parce qu'on travaille toujours en équipe avec les écologues. Et les écologues, effectivement, analysent les trames vertes et bleues pour les enjeux de biodiversité nocturne pour qu'on identifie et qu'on localise les usages de la faune et les enjeux prioritaires pour qu'on sache effectivement construire cette trame noire. Et nous, en parallèle, on fait l'analyse des usages humains dans le temps et dans l'espace, qu'on appelle la chronotopie. Et évidemment, l'idée, c'est que il y a un besoin de lumière pour les humains, mais pas tout le temps et pas toujours. Mais c'est en comprenant bien où ils se déplacent et quand qu'on arrive à éteindre correctement. Aujourd'hui, ce qui est super, c'est qu'on a des technologies qui permettent assez bien d'allumer et d'éteindre. Vous savez tous, hein, les capteurs, les abaissements de puissance, les allumages extinction différenciés. Donc aujourd'hui, le parc, un parc d'éclairage urbain, ça se renouvelle à 2% par an. Le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, une technologie qui est moins consommatrice, la LED ou des lanternes qui n'envoient plus de lumière vers le ciel, ça fait déjà 15 ans qu'on les a, mais on n'arrive pas à les déployer sur le territoire très rapidement parce que c'est des investissements et 2% par an, ça va pas vite. Donc il faut 30 ans pour renouveler un parc, un petit peu moins que ça. Vous voyez, l'enjeu, il est là, c'est que c'est de la pensée longue. L'urbanisme lumière, c'est vraiment des stratégies qui passent plusieurs générations de techniques. Là-dessus, donc l'intérêt de savoir quand on peut éteindre et allumer, c'est de comprendre les ressorts de la peur. C'est-à-dire que, et nous, on essaie de comprendre avec les marches nocturnes et comme on va dans plein de territoires différents, d'essayer d'objectiver un peu les critères de peur et de placer ça dans un espace. Donc là, c'est des graphiques qu'on a un peu formalisés. On a identifié notamment que la peur, elle dépend du fait, enfin c'est très résumé, hein, faudra en parler plus longtemps, mais bon, c'est pour vous donner des petites clés de lecture. Ça dépend si on est seul ou accompagné, globalement, et ça dépend surtout si on connaît ou qu'on ne connaît pas l'endroit. On peut être seul dans un endroit très familier, se sentir très bien. Ça dépend aussi effectivement de l'état psychologique d'une personne. Une personne peut avoir peur un soir et pas un autre, parce que juste elle est en confiance, elle a bien mangé, elle a chaud, puis si elle a froid, elle peut avoir un peu plus peur. Enfin, on est très animaux là-dessus. Et évidemment, il y a des constantes quand même. C'est quand on est en groupe, dans un endroit qu'on connaît, on n'a pas peur. On est seul dans un endroit qu'on ne connaît pas, qu'on soit homme ou femme, on a peur. Et quand on est femme, un peu plus, parce qu'on se sent plus vulnérable. Et après, il y a deux ressorts de peur. Il y a la peur viscérale. Et c'est vrai que si on comprend ça, on comprend mieux à quels endroits c'est délicat d'éteindre et à quels endroits on peut le faire en toute confiance et on aura un bon taux d'acceptabilité de la pénombre. Parce que l'acceptabilité de la pénombre, c'est la capacité à des habitants d'accepter qu'on éteigne. Là-dessus, on est assez d'accord, notamment dans les PNR, faut quand même éteindre au maximum. Et pour ça, faut pas se planter parce que sinon il y a une réaction de rejet et un effet de rebond, c'est-à-dire que les gens ils mettent de la lumière sur le pas de leur porte avec des détecteurs assez puissants. Si on coupe l'éclairage public trop tôt ou pas bien expliqué, pas au bon moment. Donc faut être assez fin dans l'analyse des usages. Et les deux sortes de peurs. Donc il y a la peur viscérale animale, reptilien, qui fait que en fait nous, on était des animaux, on voit pas très bien la nuit et on a été un moment des proies. On sait que la nuit c'est un endroit où on est vulnérable, donc il y a un truc ancré, notamment sur la vision latérale, qu'on capte plus les mouvements. Et en vision centrale, quand il fait très sombre, en fait, on ne voit pas bien, on a deux degrés d'angle où on n'a rien du tout. Donc en fait, il y a des choses très spécifiques à la vue
qui fait qu'on n'est pas à l'aise dans la nuit, comme vous le savez. Et l'autre ressort de peur, c'est la peur sociale, c'est-à-dire qu'on a peur de l'humain qui va nous agresser. Et donc évidemment, la peur de se faire agresser, elle est très urbaine aussi, elle peut être aussi dans la campagne. Et la peur viscérale, elle peut aussi exister en ville, alors qu'en fait, on n'est pas dans un environnement naturel. Donc c'est deux types de peurs qui se croisent un petit peu et qui... Et on peut rassurer ces peurs-là par des actions un peu différentes. Le fait notamment d'avoir des animations, de la distraction visuelle, il y a tout un tas de choses. Donc quand on travaille comme ça sur la question des usages, la méthode, et vous la connaissez je pense tous, c'est de faire des marches nocturnes exploratoires. Donc là, c'est voilà, on les organise aussi. On va souvent avec du coup les écologues du terrain pour aller faire réapprécier la nuit aux gens qui n'ont plus l'habitude malheureusement de marcher dans le noir. Et en fait, dans plein d'espaces, ça marche bien. On a tous des petites lampes de poche. Et puis c'est très beau de voir les étoiles, donc en effet, la marche, ça permet un petit peu de faire accepter la sobriété, progressivement. Il faut aussi être capable de revenir en arrière. Moi, j'ai eu des marches nocturnes où je voulais éteindre un territoire parce que je trouvais que là, il n'y avait pas besoin. Et puis en fait, les gens, ils n'étaient pas prêts. Et puis bon, bah faut être capable de dire aussi, faut laisser le temps quoi, pour pas qu'il y ait de rejet. Pour faire en fait des trames noires, on a des méthodes. Je vous montre juste ces slides. On a fait ça pour le PNR de l'Aubrac. C'est une trame noire qu'on a définie, qui a bien un diagnostic sensible et un diagnostic technique. Et j'alerte sur le fait qu'il faut pas qu'il y ait que des diagnostics techniques et des analyses trame verte et bleue, parce que si on passe à côté du diagnostic sensible, c'est-à-dire un éclairage dans un contexte particulier donne une impression particulière et a une certaine qualité visuelle, on risque de faire des erreurs justement sur l'acceptabilité de la pénombre. Voilà. Et comme je dois faire court, je voulais vous donner un peu trois étapes très résumées de la construction d'une trame noire et d'un plan d'urbanisme nocturne. La clé, là, le 1, c'est hyper important. C'est très mal maîtrisé. Il faut savoir interpréter les normes au plus bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des corpus réglementaires, la 13201, qui permettent d'éclairer vraiment très peu si on l'utilise bien. On peut aussi, avec la 13201, suréclairer. Mais les normes ne nous obligent pas à suréclairer. Vraiment, elles permettent même d'éteindre. C'est-à-dire si on les lit correctement et qu'on les interprète bien. On peut s'appuyer sur elles. Donc nous, tous les projets d'extinction de trame noire et de régulation, c'est complètement en accord avec ces normes. Ce sont que des recommandations, mais quand bien même, elles sont quand même assez à jour. Ensuite, effectivement, on fait des cartons où on regarde en fait les températures de couleur adaptées à chaque contexte. Donc là, par exemple, c'est un quartier à Tours, un éco-quartier, où on va éclairer assez peu dans les ruelles, mais un peu quand même, parce qu'il y a des habitants. Comme ils sont pendulaires, on va les accompagner le matin et le soir uniquement. Après, il y a de la détection en cœur de quartier. Et on a gardé la température de couleur la plus riche pour les espaces minéraux entre les bâtiments. Et dès qu'il y a un petit peu de plantation de nous, ben, on va sur des choses plus orangées. Et effectivement, aujourd'hui, avec les températures de couleur des LED, on peut aller chercher des spectres assez précis. Et la troisième étape, après, c'est les plans de régulation, les stratégies de régime d'allumage. Et là, l'alerte, c'est de pas aller dans un niveau de sophistication trop important. Voilà, j'alerte là-dessus parce qu'on peut tout faire, mais concrètement, à déployer dans un espace public, c'est très compliqué, les pilotages individuels, enfin voilà. Et il y a un gros mouvement de smart lighting qui dit qu'il faut vendre du matériel sophistiqué, communicant, internet, machin. Moi, je vois sur le terrain, c'est compliqué de faire fonctionner tout ça. Et en plus, il y a une obsolescence des logiciels et des électroniques qui fait que ça fait des coûts pour les collectivités. Donc, la règle, c'est de garder ça dans chaque situation au plus simple. De trouver, moi, j'aime bien les pilotages automatiques locaux, c'est-à-dire le driver, il baisse juste en cœur de nuit automatiquement, il n'a pas besoin de discuter avec le voisin. Souvent, on me dit dans les foires d'éclairage, oui, lampadaire est intelligent, mais j'ai pas besoin de discuter avec. Enfin, ça me sert à rien, en fait. Moi, je veux juste qu'il s'éteigne au bon moment. Voilà, il faut le programmer bien une fois et il n'a pas besoin de discuter avec les autres, parce que c'est de l'énergie grise. Quand tout le monde discute toute la nuit, bah, c'est des data centers qui tournent. Donc, faut vraiment déployer les intelligences et les pilotages dans les zones très complexes où il y a des conflits d'usage, où il y a des enjeux de biodiversité forts et des humains qui sont là quand même. Donc, c'est à ces endroits-là qu'il faut déployer ces technologies de capteurs et tout ça. Et le reste du temps, faut abaisser quand il faut ou éteindre. Ça, c'est aussi une ville jardin, en Suisse. Hein. Et ça, c'est par exemple des plans de régime d'allumage et d'extinction où on essaie de simplifier les fonctionnements. Et ça, c'est un plan de rénovation qui va durer 10 ans. Et en fait, avec cette carte-là très simple de fonctionnement, bah, on arrive à mettre en cohérence les choses. Et après, on pointe en fait les priorités d'investissement aux endroits où il y a des enjeux de pollution lumineuse les plus importants. Voilà, c'est pour vous donner un petit peu des méthodes. Et je voudrais terminer sur effectivement l'égalité. Il y a un courant aujourd'hui, effectivement, on n'a plus d'argent peut-être pour payer l'électricité, mais faut faire attention. Aux effets, la partie immergée de l'iceberg, c'est-à-dire que je vois aujourd'hui, il y a des demandes de couper symboliquement des mises en lumière qui sont très délicates, qui consomment très peu et qui, en vrai, n'envoient pas beaucoup de photons vers le ciel, pour dire qu'on est sobre. Et je trouve qu'on est en train peut-être de perdre de la poésie, et la poésie, ça sert à rien, mais c'est vachement important pour qu'on se sente bien.
Et moi, par exemple, par rapport aux guirlandes de Noël, on a discuté de ça avec Nicolas, mais effectivement, ça consomme et ça envoie des photons. Mais si on met plus d'éclairage de Noël du tout, on pourrait les faire beaucoup plus top, ça je suis assez d'accord. Si on n'en met plus du tout dans l'espace public, qu'est-ce qui va se passer cet hiver? Bah, en fait, le plus gros sapin de la ville, il va être dans le centre commercial. Et en fait, on est en train de déplacer la poésie des espaces publics vers le privé. Et comme le privé, on peut pas trop les contraindre à être sobre, bah en fait, j'ai peur, moi, qu'il y ait un glissement comme ça dans la convivialité, que ça soit maintenant quelque chose, en fait, l'espace public, il doit être sobre, austère. Et puis, donc moi, je milite pour qu'on garde un peu de poésie. Et ça peut être tout à fait compatible avec de la pénombre. Il y a des choses poétiques qui sont très douces. Donc, nous, on aime bien développer ça en tant que concepteur lumière, pour qu'il y ait des plaisirs dans la nuit. Merci beaucoup. Merci Virginie. C'est vrai que la poésie est importante et malgré le contexte de crise énergétique, on retient qu'on a encore le droit de s'autoriser à de la poésie. Tu donnais un chiffre assez frappant d'une ville pour laquelle ils avaient calculé que la totalité des éclairages de la défaite de Noël représentait la consommation d'un foyer. Quand on a ces ordres de grandeur en tête, ça ne veut pas dire qu'on doit éclairer, mais que c'est peut-être pas les premières cibles. Tout n'est pas à éteindre, ouais. Peut-être. Si c'est pas toujours significatif. Oui, en termes d'énergétique, c'est ça, effectivement. Très bien. Du coup, je vous propose maintenant de faire entrer une espèce emblématique, un présentateur, Quentin Rouy, d'Azimut 230, qui anime le plan régional d'action en faveur des chiroptères, traduisé des chauves-souris. Et faisons entrer en scène cette espèce emblématique, avec une présentation, Quentin, sur les chauves-souris ambassadrices de l'extinction. Reste à savoir s'il s'agit de l'extinction de l'éclairage ou de l'extinction de la biodiversité. Je te laisse la parole. Bonsoir à tous. Merci Nicolas. Très heureux d'intervenir sur ce webinaire pluridisciplinaire. On voit bien que quand on parle de sobriété lumineuse ou de pollution lumineuse, il y a de multiples portes d'entrée. Et on voit bien que c'est utile de justement pouvoir travailler sur ces différentes portes et pas forcément que sur une. Moi, je vais vous en présenter une qui va parler plus de biodiversité, du coup, et plus précisément de chauves-souris. Donc, les chauves-souris qui sont des mammifères volants et vivants de nuit et qui sont ce qu'on appelle des espèces parapluies, et des bonnes indicatrices de l'état de santé de l'écosystème, suivant les espèces qui se trouvent sur le territoire. Alors, c'est vrai, vous allez me dire, les chauves-souris, il n'y a pas de problème avec la lumière parce que sous les lampadaires, et Nicolas, tu parlais des insectes et de la chasse aux insectes sous les lampadaires, c'est vrai que dès qu'il y a des lampadaires, on voit des chauves-souris. Mais c'est pas parce qu'il y a des lampadaires qu'il y a des chauves-souris, c'est parce qu'il y a des lampadaires que vous voyez des chauves-souris. Et malheureusement, sur les 36 espèces qu'on peut avoir sur le territoire français, on en a une vingtaine en Île-de-France, et seulement 3 ou 4 espèces acceptent, prennent leur mal en patience, la lumière, car toutes les autres espèces vont être ce qu'on dit lucifuges, vont fuir, et c'est ces espèces-là qui, justement, pour qui la lumière est une barrière infranchissable, et donc allumer la lumière sur un territoire pour elles, c'est tout simplement les chasser du territoire. Et même les espèces que l'on voit on voit chasser aux lampadaires, on a souvent la pipistrelle commune, je pense que c'est un nom d'espèce qui doit vous dire quelque chose. Quand on fait une étude scientifique entre milieu illuminé et milieu sombre, on va retrouver 7 fois plus de pipistrelles communes dans un milieu non éclairé que dans un milieu éclairé. Donc c'est là qu'on vient sur la notion de biodiversité, c'est effectivement quelle diversité on accueille sur nos territoires et quelle place on leur laisse. Et c'est une des bonnes portes d'entrée aussi pour parler de l'extinction lumineuse. Et je rejoins tout ce qui a été dit avant, hein, de le faire correctement, de savoir ce qu'il faut éclairer, quand éclairer et comment l'éclairer. Alors, pour travailler sur les chauves-souris en Île-de-France, on a un plan régional d'action qui est piloté par la DRIEVAT et qui est animé par l'association Azimut 230 et qui met en relation un grand nombre d'acteurs sur la région, notamment les PNR, hein, qui sont fortement impliqués sur ce plan régional d'action sur leur territoire. Et au sein de ce plan régional d'action, on a une liste de 9 grandes thématiques. Donc on va travailler sur la forêt, on va travailler sur les sites souterrains, on va travailler sur le bâti, sur les aménagements. Et on a une ligne d'action qui est sur la pollution lumineuse et la réduction de la pollution lumineuse. C'est évidemment de celle-là que je vais vous parler un peu plus précisément. On a travaillé ces 2 dernières années à éditer une plaquette
qui se veut être une plaquette de sensibilisation, notamment pour des élus, pour des techniciens du territoire, des gens qui voudraient un peu mieux comprendre ce qu'est la pollution lumineuse, les impacts qu'elle peut avoir. Et effectivement, elle est un peu ciblée sur les chauves-souris, cette plaquette-là. On va parler aussi chauves-souris. On va donner des clés de compréhension. Donc, c'est assez macro, on va dire, comme approche. C'est vraiment une première approche de sensibilisation qui peut vous permettre déjà vous de comprendre simplement. On a été chercher un petit peu ce qui se faisait à droite, à gauche, en bibliographie, et puis on a échangé avec pas mal d'experts. Et puis on donne aussi des témoignages régionaux d'actions qui ont été faites, et vous voyez, pour de la sécurité, pour de la biodiversité, pour la sobriété énergétique, comment on a travaillé l'acceptation. Donc cette plaquette-là, elle peut vous servir à mieux comprendre, mais elle peut vous servir aussi à communiquer avec des administrés d'une commune ou d'une collectivité. Au-delà de cette plaquette de sensibilisation, on a aussi souhaité aller plus loin et mettre à disposition de la documentation. Donc on a créé une boîte à outils, pollution lumineuse, qui se veut, alors là, qui n'est plus forcément axée uniquement chauve-souris, se veut rassembler des éléments parfois très simples et parfois beaucoup plus complexe, jusqu'aux études scientifiques, des vidéos, des webinaires. On retrouvera d'ailleurs le lien vers ce webinaire quand il sera en ligne. C'est une boîte à outils qu'on essaie de mettre à jour régulièrement pour que vous donniez une information ciblée qu'on a lue, qu'on considère bonne, et peut-être vous aider un petit peu, parce qu'il existe aujourd'hui quand même beaucoup, beaucoup d'informations autour de la gestion de la pollution lumineuse. Voilà, on a essayé de sélectionner des ressources en ligne qui vous permettent d'aller droit au but. Pour retrouver ça, vous pouvez aller sur le site de l'association Azimut 230. C'est disponible en ligne et vous pouvez utiliser ça à loisir et nous remonter si vous repérez de nouvelles sources et pas non plus à nous les remonter. Mais voilà, on va jusqu'à parler des couleurs de lumière, des installations possibles. Il y a vraiment beaucoup de choses. Et puis, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin pour les chauves-souris, moi je vais essayer de faire gagner du temps ce soir à tout le monde. Je vais faire une intervention très courte. Si vous voulez aller plus loin sur les chauves-souris, on parlera à nouveau pollution lumineuse, mais pas que. Je vous donne un rendez-vous le 19 novembre 2022 à Orsay, donc dans l'Essonne. On organise des rencontres autour du monde des chauves-souris, avec différentes interventions tout au long de la journée. L'inscription est totalement gratuite, donc on vous attend si vous souhaitez échanger autour de cette thématique-là. Voilà, je te redonne la main, Nicolas. Merci Quentin. Au passage, la plaquette que tu as pilotée notamment part comme des petits pains, hein, dans le bloc. Et j'en profite pour vous dire que l'intégralité des présentations, la capture de l'événement et tous les documents qu'on va vous présenter et bien d'autres seront sur également un centre de ressources, enfin, une page dédiée à l'événement qui renverra notamment aussi sur le centre de ressources de nos partenaires. Nous avons donc fini un peu la première séquence pour faire un premier panel global de la lumière. Je vais demander à Betty si on a d'ores et déjà quelques questions dans le chat. Si ce n'est pas le cas, je vous proposerai de passer du coup à la séquence numéro 2. Betty. Nicolas, non, c'est bon. Pas de questions particulières dans le chat. Très bien. Voilà, donc pour ceux qui auraient loupé l'information, le logo QA, Question and Answers, vous permet de part de vos éventuels commentaires. Alors, dans ce webinaire, on a quand même voulu, même si ça n'a pas encore marché, donner vraiment la parole aux gens, donc au public ici, mais également aux habitants et aux élus du terrain. Et on va donc passer à une séquence où on va plutôt avoir des témoignages d'élus et des témoignages d'habitants au sujet de la lumière. C'est tout venant, c'est vraiment pour faire un peu une photo à chaud de ce qu'on a pu enregistrer sur le terrain. Je vous propose de commencer avec une vidéo qui explique en quoi l'extinction a été souhaitée par la mairie d'Ory-la-Ville.
C'est le fruit d'une réflexion qui est née pendant le confinement. Il y a eu le confinement et les couvre-feux, et on n'avait pas le droit d'être dehors, et pourtant les rues étaient pleinement éclairées. On s'est dit, ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, en approfondissant un petit peu la réflexion, on s'est dit, mais la nuit, c'est pareil. Les rues sont éclairées alors qu'il n'y a personne. Et c'est comme ça qu'on a décidé, on s'est dit que ça aurait beaucoup plus de sens, ce serait beaucoup plus logique d'éteindre l'éclairage la nuit. Alors, on a tiré des bénéfices à trois niveaux. Le premier, c'est sur le plan économique. On a fait des économies d'énergie à hauteur de 25 000 euros par an. 25 000 euros pour une commune comme la nôtre, c'est 1% d'impôt. Donc, c'est pas neutre. C'est pas neutre, d'autant plus que le prix de l'énergie va pas en diminuant. Vous voyez bien la trajectoire que ça prend. Donc, ouais, effectivement, pour une collectivité comme la nôtre, c'est important de pouvoir faire des économies à ce niveau-là. Deuxième bénéfice, c'est le bénéfice écologique. On sait l'impact extrêmement négatif que peut avoir l'éclairage nocturne sur la faune et la flore. Alors nous, ici à Aury, on est entouré de forêts, la faune et la flore est omniprésente. Donc si on peut contribuer positivement en éteignant l'éclairage public la nuit, on en est très heureux. Et le troisième bénéfice, ça c'est très personnel. Quand je sors la nuit et que je peux voir le ciel et les étoiles, je ressens un grand sentiment de satisfaction. Et en fait, quand on réfléchit, tous nos villages étaient éteints la nuit il y a quelques décennies, et puis c'est petit à petit, par confort, par conformisme, et puis par habitude, parce qu'il fallait que tout soit toujours allumé et ouvert, on a allumé toujours, tout le temps, finalement ça n'a pas beaucoup de sens. Le bon sens, c'est que quand on sort de la pièce, on éteint la lumière, c'est pareil la nuit. En tout cas, moi, quand je suis tout seul au milieu de mon village en pleine nuit, je me dis que ça a du sens qu'on éteigne. Les craintes portaient sur la sécurité. Et en fait, on a des statistiques de la gendarmerie qui sont très claires. L'extinction de l'éclairage public la nuit n'a aucun impact sur la délinquance. Et toutes les communes autour de nous qui ont mené cette expérimentation, je pense à Colaforêt et à la Morlaix, font exactement le même constat. Et je sais qu'au sein du parc naturel régional, il y a d'autres communes qui l'ont fait et, ou qui projettent de le faire. Et c'est une question qui revient, mais tous ceux qui l'ont fait partagent vraiment le constat, ça n'a aucun impact. Donc les craintes ne sont pas fondées. Bonsoir à toutes et à tous. Jean-Jacques Boussingault, président du Parc naturel régional du Gâtinais français. Donc, je vais vous présenter la démarche sur notre territoire. Historiquement, ça fait plus de 15 ans que beaucoup de communes pratiquent l'extinction et certaines communes n'ont jamais allumé en cœur de nuit. Pour dynamiser cette politique, le parc a soutenu les élus et s'est rendu dans les réunions publiques et les conseils municipaux. Et nous avons apporté une aide financière pour les communes en conditionnant ces subventions à la pratique de l'extinction au moins 5 heures par nuit toute l'année sur tout le territoire. Et donc on va vous présenter les cartes. Donc cette carte représente les pratiques de gestion liée à la temporalité de l'éclairage public des 70 communes du parc. La légende. En bleu clair, les communes éteignent l'éclairage public 5 heures minimum toute l'année. Ça fait 28 communes. En bleu foncé, les communes qui éteignent l'éclairage public 5 heures minimum par nuit, du printemps à l'automne, qui n'allument plus du tout au moins 2 mois en période estivale, et nous avons 42 communes qui n'éteignent pas. Bon, la commune en haut vient d'être c'est une commune associée qui va délibérer, ça sera la 71e qui va revenir, et d'ici un mois, elle va éteindre comme les autres.
Donc, les petites étoiles que vous voyez sur les communes, donc c'est 11 communes ayant le label Ville et Village étoilés, label décerné par l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne. Et la distinction, c'est l'ensemble du territoire Ville et Village étoilés pour le PNR du Gâtinais français. Alors, les diapos suivantes. Donc, nous avons une photo d'une commune où on voit le halo avant, après l'éclairage. Donc, on voit bien la nette différence. Et une autre photo, donc une photo à l'échelle d'une rue pour voir l'impact pour les habitants. Vous avez donc à 22h53 et à 23h01, extinction, on est dans le noir. Nous avons ensuite à vous montrer, voilà, ça c'est la pollution lumineuse vue par les satellites. Donc cette carte, c'est en hiver, vers 20h, tous les éclairages sont allumés. Et où c'est un peu plus rouge, c'est que c'est pas bon au niveau éclairage. Mais il y en a pas beaucoup sur notre territoire. La suivante. Donc en hiver, vers 2h du matin, les éclairages publics sont éteints et on voit la différence. Ce qui nous a permis quand même de voir les éclairages privés qui étaient sur notre territoire et qui ne permettaient pas à certaines communes de passer en vert. Et donc, vous avez l'exemple de la SNCF qui n'éteint pas leur gare de toute la nuit, donc c'est malheureusement une pollution lumineuse. Sur le haut de la carte, vous voyez les communes qui sont au nord du parc, et cette pollution est due à la petite couronne et à Paris avec leur éclairage public. Donc, il y a une progression en cœur de nuit, une grande partie dont passe en qualité de ciel correct, vert. La pollution de la petite couronne, comme je vous l'ai dit, donc, a un impact sur notre territoire. Donc, oui, vous avez les communes environnantes telles que Fontainebleau, Étampes, et puis Malesherbes et Nemours qui nous ramènent un peu de luminosité puisqu'ils n'ont pas encore passer à l'éclairage éteint pour la nuit. Voilà, si vous avez des questions, on sera à votre disposition pour y répondre. Merci de m'avoir écouté. Merci Monsieur Boussingault. Une toute petite précision sur ces cartes qui sont notamment issues donc d'une donnée terrain satellite et d'une modélisation qui permet de remplir le vide entre les données et qui explique justement la donnée assez continue de pollution lumineuse. Pour la suite, on souhaitait vous faire des témoignages d'habitants qu'on a recueillis simplement sur le sujet de l'extinction nocturne de l'éclairage public. Certains de ces propos peut-être vont amener des intervenants à donner des compléments ou à réagir. Je suis élu sur Chaussy depuis 8 ans. C'était un des enjeux de la précédente mandature que je m'étais fixé avec des collègues de décider mes collègues élus et le maire à éteindre sur une partie de la nuit. Ça a été relativement difficile à amener. On a organisé une réunion publique. On a fait venir un capitaine de gendarmerie. Les enjeux sécuritaires et le sentiment d'insécurité que provoque l'extinction nocturne était très fort. Sachant qu'on a très peu de délinquance sur un petit village de 650 habitants dans le fin fond du Val d'Oise. Après extinction, donc on avait organisé d'abord une période d'essai de 6 mois, et puis n'ayant eu que très peu de remontées, la période d'essai s'est poursuivie jusqu'à maintenant. Encore maintenant, je sens moi en tant qu'élu que à chaque fois qu'on veut reparler de
De rééteindre éventuellement un petit peu, plus de modifier les horaires, d'essayer d'envisager des nouvelles façons pour encore améliorer nos pratiques. On se heurte à des a priori, des choses qui sont assez difficiles à bouger. J'ai aussi des retours d'élus d'autres communes qui sont où l'attrait de l'extinction de l'éclairage est plus économique qu'écologique. Et moi, j'avoue que ça m'effraie un petit peu parce que l'arrivée des LED fait que maintenant l'éclairage ne coûte rien en termes de consommation et qu'au final, il est très facile pour très peu cher de laisser éclairer en permanence. Et c'est le choix que font certains villages à proximité de Chaussy. Et je pense que ce n'est pas une bonne idée. Nous, la principale motivation était écologique. Ensuite, on n'y a vu quand même que du positif. Alors avec quelques inconvénients, effectivement, les soirées qui se terminent tard, où on sort, c'est éteint. Bah oui, il faut prendre sa lampe du téléphone portable. Ça crée un petit sentiment, effectivement, quand ce sont les enfants qui sont dehors un peu tard, où là, bon, forcément, on est tout de suite un peu plus inquiet. Au final, retour négatif, peut-être deux plaintes d'habitants qui ont retrouvé leur voiture un peu abîmée le matin. Et on n'a aucun lien avec l'extinction nocturne, mais bon, ça reste le raccourci que peuvent faire certains administrés. Voilà, bilan très positif quand même. À partir du mois d'octobre, il fait quand même nuit relativement tôt, 18h, 18h30. Et je constate quand même que la rue principale du village, l'éclairage est quand même très, je dirais, un petit peu blafard. Je considère que ce n'est pas très sécurité pour les piétons, tenu qu'il y a très peu de trottoirs. Il y a quand même une circulation qui est importante dans ces grandes rues, puisqu'elles traversent le village. D'autre part, tout à fait personnel, moi je suis complètement à la sortie du village, donc c'est pas très rassurant lorsque je rentre chez moi vers 19h, cette lumière qui est trop blafarde. Je pense que ça n'a rien changé à la sécurité du village, c'est-à-dire que je pense pas qu'en réalité l'éclairage ou non change quoi que ce soit à la sécurité. Je pense même qu'en réalité, et je m'appuie là-dessus sur des études de gendarmerie, que les villages éteints, il y a moins d'incivilité et de problèmes de cambriolage. Alors d'abord pour la bonne raison que la plupart des cambriolages se font à 17h et pas du tout la nuit. Et ensuite parce qu'un cambrioleur avec une lampe de poche ou un téléphone, une torche, ça se voit mieux quand c'est pas éclairé que quand c'est éclairé. Voilà. Et les voitures roulent moins vite dans les villes où c'est pas éclairé, parce qu'on fait plus attention. Donc du coup, même s'il y a des accidents, ils sont un peu moins graves. On pourrait parler donc de l'utilisation de détecteurs de présence, comme j'en parlais tout à l'heure. Et en fait, tout est possible. C'est-à-dire que peu importe l'ancienneté de votre système, on peut mettre sur chaque lampadaire un détecteur de présence. On peut utiliser des ampoules à basse consommation. Alors ça, c'est sur le côté financier. Et puis surtout, il faut réduire l'amplitude horaire. Ou quand j'entendais que chez nous, la lumière se rallumait à 4h30 du matin, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui utilisent le trottoir pour aller à l'école à cette heure-là. Et je pense que les particuliers surtout dans notre village qui se déplace, pourrait et être éclairé par ces fameuses lampes contrôlées par les détecteurs de présence et que la route, entre guillemets, les trottoirs soient constamment éteints. Ça peut me rêver. Mais sans ça, j'aurais parlé aussi des éclairages privés. Parce qu'il y a des gens qui mettent des vrais phares qui s'allume 5 ou 6 fois par nuit. Donc j'en ai un bel exemple juste en face de mes fenêtres. Ça m'oblige à doubler mes volets avec un contreplaqué. Parce que c'est tellement fort que ça me réveille. Donc je suis obligé de fermer ce truc-là. Ça s'allume 5 ou 6 fois par nuit. Et ça éclaire toute la rue. Oui,
Oui, rebonjour. Vous voyez que j'ai changé de bureau dû à un petit bug informatique dans le temps de la vidéo. Est-ce que vous m'entendez bien ? Je prends ça pour un oui. Du coup, très bien, merci Marjorie. Marjorie de l'ARB, donc, qui assure la mise en scène silencieuse de cette rencontre. Ces témoignages d'habitants, à mon avis, ont peut-être donné envie à certains intervenants de réagir ou de répondre. J'aurais envie de donner, avant d'aborder les questions du chat, peut-être la parole à Virginie, Nicolas, donc du Concepto, au sujet des détecteurs de présence qu'on pourrait peut-être, selon certains, installer partout. Peut-être que Virginie, tu pourrais nous dire ton avis professionnel ou technique là-dessus. Oui, vous m'entendez ? Ouais, super. Alors oui, les détecteurs de présence, on se pose beaucoup la question parce que évidemment, il y a des usages où c'est très performant. Les détecteurs de présence, c'est bien quand il y a des parcours linéaires qu'on peut avec une entrée et une sortie, parce qu'en fait, le problème, c'est le recoupement des détections. Aujourd'hui, il y a un des systèmes qui marche le mieux, c'est quand il y a des anticipations, c'est-à-dire il y a un lampadaire qui capte et il allume les deux suivants. Et c'est déjà de la communication entre lampadaires. Et il y a des situations où c'est pas du tout approprié. Par exemple, le village jardin que je vous montrais tout à l'heure, on a voulu à un moment mettre toutes les rues résidentielles sur la détection. Le problème, c'est que les lampadaires sont distants de 30 mètres et ils font 5 mètres de haut. Et en fait, on ne s'est pas détecté en continu sur 30 mètres. Donc, il y avait des risques et des gens qui sortent de chez eux sans être détectés. Mais malgré tout, ça, par exemple, sur le long des rivières, des choses comme ça, c'est très, très bien. Les parcours linéaires, les pistes cyclables, on les utilise majoritairement dans ces espaces-là. Il y a un effet un petit peu étonnant, c'est que dans plusieurs quartiers où la configuration s'y prêtait bien et on avait du matériel neuf, donc on pouvait mettre les bonnes distances, il y a eu un retour un peu étonnant de gens disant « bah oui, mais à la fois ça éteint, mais en même temps, ça montre un peu qu'on sort, donc on a l'impression d'être surveillé, on a l'impression que ça signale à tout le monde qu'on sort et ça peut faire peur parce que les gens se disent « ah, il y a quelqu'un dans la rue », alors que finalement, si c'est un éclairage très bas et constant, ils ne voient pas quand quelqu'un arrive. Et en fait, ça peut générer de l'inquiétude, ce à quoi je n'aurais pas pensé spontanément, plus qu'un éclairage statique. Par ailleurs, j'avais eu discuté aussi, il y a un site industriel justement sur le plateau de Saclay, et on avait voulu mettre de la détection sur les voies d'accès pour les voitures, là c'était très simple, et en fait, quelqu'un nous avait alerté sur le fait qu'il fallait faire une barrière visuelle pour que les animaux ne pénètrent pas dans le site pour pas qu'ils soient écrasés, et qu'en fait la lumière étant lucifuge empêchait en fait les animaux de rentrer. Donc il y a plusieurs paramètres comme ça à réfléchir avant de mettre ces systèmes en marche, qui sont assez robustes, donc ils fonctionnent bien, mais par contre c'est un peu compliqué en termes de géométrie, voilà, vraiment... Sur les installations existantes, c'est un peu compliqué. Très bien, merci Virginie. Du coup, je vais te redonner la parole pour une question du chat que je lis. Une raison parfois invoquée par les maires de ne pas éteindre les lampadaires équipés de LED et que éteindre et rallumer plusieurs fois par nuit diminuerait la durée de vie. Que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Je pense que... Alors, ça diminuait la durée de vie des lampes à décharge, pas des LED. D'accord. Lampes à décharge. Voilà, en tout cas, c'est à la marge. Enfin, c'était les lampes à iodure, les lampes sodium. Avec les ampoules comme au bon vieux temps. Ouais, qui avec des chargeurs et tout. Mais là, les LED, c'est à la marge. C'est-à-dire que nous, c'est même pas un critère qu'on prend en compte dans nos décisions. D'accord. Donc, on confirme le fait que les LED aujourd'hui s'allument et s'éteignent de façon instantanée et leur durée de vie n'est pas impactée par un clignotement. Non. Pas du tout. C'était surtout l'incandescence qui réagissait mal parce que ça faisait refroidir et réchauffer le filament. Il y avait aussi le temps de chauffe des ampoules qui ne permettait pas des performances d'éclairage assez instantanées que nous pouvons avoir maintenant. Ça fera une question aussi plus tard, mais avant de passer à deux autres questions sur ces vidéos, est-ce que Betty, tu identifies d'autres questions auxquelles on n'aurait pas répondu dans le chat ? Dans le chat, il y a des questions qui sont vraiment spécifiques au parc Oise Pays de France et au parc du Vexin, donc à la toute fin, s'il reste du temps. D'accord. Voilà. C'est plutôt des questions donc territoriales. Bon, on peut en prendre une au hasard. Aujourd'hui, toutes les communes éteignent au moins partiellement pour le Gâtinais. Voilà. Mais combien éteignaient déjà avant lancement du programme ? Peut-être donner au moins quelques éléments de réponse au cas où on n'aurait pas le temps d'y revenir, peut-être. Du coup, peut-être pour Lucie Gandon, un élément de réponse. Question difficile, peut-être. Non. Alors, j'ai regardé du coup les chiffres. J'ai un chiffre précis. En 2011, on avait 28 communes qui éteignaient au moins 5 heures par nuit, sachant qu'on en a 70. Donc, je pense qu'on était à une vingtaine en 2009. On en avait 59 fin 2016. Aujourd'hui, donc 70.
Et puis par rapport à l'extinction totale en été, la première commune qui a expérimenté, c'était en 2016, été 2016, une commune, l'année suivante deux ou trois, ensuite une dizaine, et en 2021, il y en avait 35, aujourd'hui, on est à 42, et chaque mois, il y en a de plus en plus qui nous disent qu'elles vont éteindre, expérimenter, et là, on constatait avec Monsieur le Président que depuis un mois, on a des demandes de communes qui nous informent qu'elles vont rallonger la période en hiver. Donc, par exemple, en éteignant à 21h30 ou 22h et rallumer plutôt à 6h30 ou 6h si elles éteignent à 5h. Rallumer à 5h, pardon. Et puis, pareil, elles vont aussi rallonger la période d'extinction estivale. Donc, il y a vraiment encore un changement là en plus depuis un mois. Très bien. Et une question complémentaire, Lucie, également pour toi. Selon toi, faut-il que 100% des communes éteignent afin de bénéficier du label Ville et Village isolés? Tu as droit de ne pas connaître la réponse. Auquel cas, on renverra vers le cahier des charges du label. Alors, je pense que non. Ouais. C'est surtout une démarche d'encouragement, je crois. Oui, alors, sous couvert de l'association nationale, hein, la NPCEN, en fait, au départ, il fallait qu'il y ait au moins, je crois, un deux tiers des communes qui auraient le label Ville et Village étoilés. Ce qui est très compliqué parce qu'on peut être un territoire assez pionnier sur l'extinction, mais on n'est pas maître des labellisations des communes qui ont le label Ville et Village étoilés. Comme vous voyez, nous, on en a 11. C'est quand même un tiers des communes en Ile-de-France qui ont le label, donc on est quand même très, très content, mais ça demande du travail et on accompagne les communes, c'est assez lourd. Après, il y a effectivement tout l'engagement du territoire qui compte. Donc finalement, l'association a donné, si vous voulez, la reconnaissance à quatre territoires, une intercommunalité et trois parcs, les Préalpes d'Azur, les Causses du Quercy et nous en Ile-de-France. Donc, ils ont un peu modifié en cours de route un peu les critères pour qu'effectivement on puisse avoir cette reconnaissance. Mais la prochaine session a lieu en 2024 pour les communes et pour les territoires. Il est possible que le règlement change. Là, il faudra voir avec l'association. Merci et bravo, c'est une réponse très complète. J'ai envie de maintenant donner la parole à Romain Sordello, qui est un ingénieur écologue au Muséum d'Histoire Naturelle, à l'UMS Patrinat, spécialiste de la pollution lumineuse. Et Romain, est-ce que tu es là? Bonjour Romain, merci de nous faire la faveur d'intervenir pendant tes congés. Avant de te lancer directement sur ta présentation, je voulais te faire rebondir sur des éléments des témoignages au sujet de la lumière blafarde qui fait référence aux lampes à sodium de couleur orangée, déprécié par un témoignage, et au sujet peut-être du clignotement induit par les détecteurs de présence qui ont ces deux paramètres. Ne sont pas anodins pour la biodiversité. Et ensuite, je te laisserai présenter les bonnes pratiques pour les usagers dans leur jardin pour la mise en lumière, si on le souhaite. Oui, alors moi-même, je n'avais pas trop compris qu'est-ce qu'on entendait par lumière blafarde. Pour moi, c'était plutôt une lumière, au contraire, peut-être très froide, qui faisait penser à quelque chose de, je sais pas, une lumière d'hôpital, quelque chose comme ça. Donc là, si au contraire, c'est pour faire référence à des lumières plutôt jaunes, effectivement, le jaune va moins rendre les couleurs. Par contre, peut-être, c'est peut-être pour ça que c'est considéré comme blafard. On va plutôt voir en nuance de gris, par exemple, avec les sodium basse pression qui sont installés, enfin, qui l'étaient dans les tunnels. Effectivement, là, pour le coup, on a une lumière qui rend très très mal les couleurs à l'œil humain. Néanmoins, pour la biodiversité, en fait, c'est plutôt ces couleurs-là qu'il faut essayer de privilégier. Couleurs ambrées, jaune, orange. Voilà. Et j'y reviendrai de toute façon parce que ça va être un peu parmi les différents conseils. Et puis l'autre question, c'était oui, sur le clignotement. Donc, c'est justement un sujet sur lequel on travaille avec Virginie, qui est ici présente, et puis l'AFE. C'est une question qu'on s'est posée, effectivement. Association française de l'éclairage et Virginie, qui, dans le cadre de ce projet, représente aussi l'ACE, l'Association des concepteurs lumière et éclairagistes. Donc, on s'est posé la question, effectivement, est-ce que le déploiement des LED ne va pas, enfin, ça c'est sûr, permet un éclairage beaucoup plus dynamique, à la fois parce qu'on peut avoir des affichages qui défilent, qui clignotent, etc., de l'éclairage sous forme de détection de présence, donc allumage, extinction parfois peut-être fréquent. Et puis les LED en elles-mêmes portent aussi une sorte de scintillement qui n'est pas perceptible à l'œil humain, mais qui pourrait l'être pour des yeux d'autres espèces. Donc on a justement fait un travail de bibliographie là-dessus. Et en fait, il y a très peu d'études pour l'instant
qui regarde l'effet d'une lumière clignotante par rapport à une lumière continue. On a trouvé très très peu d'études. Elles concernent soit les rongeurs, soit les oiseaux. Effectivement, pour les rongeurs, on peut avoir des effets supérieurs à une lumière continue. Il y a une dégradation de la vision, par exemple. Mais bon, c'est vraiment très très peu étudié. Et puis sur le fait que certaines espèces justement pourraient voir une lumière scintiller que nous on voit continue, on n'a pas non plus énormément de valeur par rapport à l'ensemble du règne animal de ces fréquences qu'on appelle les fréquences de fusion critique, donc à partir duquel une espèce voit une lumière clignoter ou pas clignoter. Mais on a rassemblé quand même entre 100 et 200 valeurs et on a effectivement un petit doute sur certains groupes taxonomiques, notamment parmi les insectes par exemple, qui peuvent voir des clignotements très 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 fins en fait, des lumières qui scintillent vraiment très fortement. Donc nous, ça fait longtemps qu'on les voit plus clignoter, mais eux, ils peuvent encore les voir clignoter. Et peut-être que certaines lampes actuellement commercialisées sont dans le cadre de ces fréquences. Donc ça, c'est quelque chose qu'on continue de regarder actuellement dans le cadre de cette étude. On pourra après, les articles vont être publiés, donc on pourra faire des recommandations aux fabricants là-dessus. Merci Romain. La fréquence pour nous, c'est un dixième de seconde pour la persistance rétinienne, mais c'est peut-être pas la même chose pour les insectes. Je te laisse maintenant rentrer dans ta présentation sur les bonnes pratiques de mise en lumière des jardins chez les particuliers. Oui. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien le diaporama. Je vais mettre en plein écran. Voilà. C'est bon ou... Excuse-moi, c'est bon, tout à fait. Ah oui, ok. Donc, là, on va attaquer vraiment le sujet des particuliers, dans le sens où les particuliers eux-mêmes sont acteurs, en fait, de ce phénomène de pollution lumineuse et donc des solutions. Souvent, on voit les particuliers peut-être plutôt comme des vecteurs de plaidoyer pour aller essayer de convaincre leur mairie, leurs commerçants, etc. Mais on oublie qu'eux-mêmes, en fait, peuvent posséder des éclairages extérieurs. Et donc, c'était l'idée de cette présentation, de faire un peu le point sur qu'est-ce qu'on a comme type d'éclairage possible, quelles sont les règles à respecter et quels impacts aussi on connaît par rapport à ces éclairages de jardin de particulier. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut trouver en fait dans le jardin d'un particulier? Rappelez, peut-être vous l'avez déjà fait au cours des précédentes présentations, qu'on a quand même une très grande majorité des invertébrés qui sont nocturnes, et puis une bonne partie aussi des vertébrés qui sont nocturnes. Donc finalement, ça fait un potentiel de beaucoup d'espèces qu'on peut trouver dans son jardin. Mais typiquement, si vous avez au moins un arbre dans votre jardin, peut-être qu'il a une cavité qui peut héberger du coup une reproduction de chouette-hulotte, un rapace nocturne. Si c'est un fruitier, il va peut-être intéresser des mammifères comme le lairot, par exemple. S'il a des cavités ou des fissures, il va potentiellement intéresser des chauves-souris qui vont venir y passer soit la journée, soit, pourquoi pas, carrément une colonie de reproduction de chauves-souris arboricoles. Dans les parties plus ouvertes, herbacées, vous pouvez avoir des vers luisants, donc des insectes coléoptères qui produisent eux-mêmes de la lumière par bioluminescence. Vous pouvez avoir aussi des hérissons, j'imagine que beaucoup de gens en ont déjà vu pour le coup. Des papillons de nuit, effectivement. Si vous avez du bâti dans votre jardin, on pense qu'éventuellement le jardin est collé à la maison, peut-être que c'est un bâti ancien en plus avec des combles, des granges, etc. Donc là, on va pouvoir avoir des espèces qui sont inféodées à ce bâti, qui sont des espèces comme la chouette effraie, qui aime bien justement aller se remiser dans les granges ou carrément s'y reproduire ou dans les combles. Des mucélidés comme la fouine, par exemple. Évidemment, des invertébrés comme les araignées ou ici, donc une scutigère qu'on peut trouver souvent dans les maisons. Des chauves-souris à nouveau, donc ce sera des chauves-souris cette fois-ci qui seront plutôt cavernicoles, cavicoles, qui vont se loger justement dans les caves, etc., en gîte d'hivernage ou de reproduction. Si votre jardin héberge en plus un point d'eau, là ça va ouvrir éventuellement une nouvelle dimension amphibie et aquatique, avec pourquoi pas donc par exemple les amphibiens. Après, il y a plein d'espèces qui sont assez généralistes et qui peuvent fréquenter plein de parties de votre jardin, le renard, et puis évidemment ne pas oublier aussi des espèces diurnes comme des mésanges par exemple, qui vont elles utiliser la nuit pour se reposer, donc qui sont aussi dans votre jardin la nuit, même si elles ne sont pas actives. Et puis des frelons par exemple aussi, on a tous fait l'expérience, dès qu'on allume une lampe l'été, s'il y a des frelons dans le secteur, ils vont être attirés par la lumière. Une quantité d'espèces vont comme ça réagir
à la lumière dans un jardin, y compris un jardin de particulier, même s'il est petit et même s'il est en ville. Il peut y avoir évidemment de la biodiversité. Donc toute cette biodiversité, elle réagit à la lumière artificielle, va générer une pollution lumineuse. Là, vous avez cette carte qu'on a produite à l'OFB, donc c'est l'indicateur de France métropolitaine. Donc en France, cette pollution lumineuse, on l'estime à peu près 85% du territoire métropolitain. C'est une pollution qui est mondiale de toute façon, qui continue de croître d'environ 2% par an selon une estimation de 2017. Elle est générée donc par des éclairages publics, on y pense souvent, mais aussi les éclairages privés. Alors évidemment, c'est pas que les particuliers, hein, dans les éclairages privés, il y a aussi beaucoup les commerçants, les entreprises, les bureaux qui restent allumés la nuit, etc. Mais dans une partie qui est difficilement quantifiable, il y a quand même une pollution lumineuse issue des éclairages domestiques. Alors, par exemple, on a eu ce chiffre il n'y a pas longtemps, dans un atelier que Virginie a organisé avec quelqu'un du service de l'éclairage de Lyon, qui nous disait qu'en cœur de nuit, quand l'éclairage des communes éventuellement est coupé, on a à peu près 50% de la lumière artificielle perçue par la photo aérienne de nuit, qui est en fait issue de l'éclairage privé. Donc là, encore une fois, c'est pas que les éclairages domestiques, évidemment, mais au sein de ces 50% restants, bah, il y a forcément une part aussi issue des particuliers. Donc cette pollution lumineuse, il faut avoir en tête qu'elle peut prendre plein de formes. Donc sur la carte que je viens de vous montrer, on s'est surtout intéressé à la lumière qu'on appelle diffuse, formation des halos lumineux. Pourquoi ? Parce que c'est une carte qui est produite à partir des données satellites de la NASA. Donc le satellite, il est en haut, tourné vers le bas, et il va percevoir la lumière qui est émise vers le haut, soit directement, soit parce qu'elle est réfléchie sur une route, par exemple. Mais la pollution lumineuse, c'est plein d'autres choses, c'est aussi des problèmes d'éblouissement, c'est aussi un pouvoir que les points lumineux vont avoir d'attraction, de répulsion des animaux, c'est aussi une lumière qui va être projetée au sol, qui va empêcher des animaux comme des rongeurs, des reptiles qui sont vraiment au sol de se déplacer. Elle peut aussi pénétrer dans l'eau, effectivement, donc dans des espaces aquatiques, éventuellement de jardins particuliers. Et donc, peut-être que votre jardin particulier est situé dans une zone, là, de la carte précédente, qui est globalement plutôt sombre, dans le massif central en Bourgogne. Mais pour autant, si vous mettez des éclairages dans ce jardin, vous pouvez créer des problèmes d'éblouissement, d'attraction de certaines espèces, etc. Donc, c'est vraiment des problèmes qui cohabitent en parallèle, qui ne sont pas, qui font que la pollution lumineuse ne se résume pas justement uniquement à la visibilité des étoiles, même si bien sûr c'est une partie du problème. Donc les particuliers là-dedans, comme je le disais, ils sont aussi générateurs de pollution lumineuse. Il y a un chiffre qui m'a vraiment frappé quand j'ai commencé à m'intéresser à cette partie des éclairages domestiques, c'est que selon l'INSEE, en 2016, donc ça date un petit peu, faudrait mettre à jour, mais l'INSEE estime que 68,4% des Français vivent dans une maison individuelle. Alors moi, j'étais pas du tout sur ces chiffres. Je pensais que la plupart des gens étaient concentrés plutôt dans des villes, donc dans des immeubles, dans des résidences, etc. Mais en fait, la maison individuelle, c'est encore quand même la majorité de l'habitat des Français. Et donc, qui dit maison individuelle dit potentiellement un jardin, une cour, une terrasse, un balcon, un parvis ou que sais-je. Hein, donc potentiellement des éclairages extérieurs dans ces espaces. Puisque effectivement, donc ça a été dit aussi très bien par les précédents intervenants, maintenant, n'importe qui peut très facilement se procurer des éclairages qui sont de plus en plus puissants, qui sont de moins en moins chers, qui ne consomment pas d'électricité parce qu'ils sont solaires et qui donc vont permettre de multiplier comme ça les points lumineux dans un environnement où normalement il n'y aurait pas eu d'éclairage parce que justement ça aurait été compliqué de mettre un éclairage, on aurait dû installer un éclairage fixe relié au réseau électrique, peut-être que ça aurait été trop coûteux, on l'aurait pas fait. Là, la technologie en fait n'incite pas à la sobriété, c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc, les particuliers sont très, très exposés à cette tentation et on voit effectivement se multiplier des éclairages un peu dans tous les sens qui parfois, en plus, même commencent à compenser les efforts faits par la collectivité pour réduire la pollution lumineuse. Typiquement, les communes qui coupent en cœur de nuit, peut-être que certains particuliers se disent « moi, du coup, comme il n'y a plus d'éclairage public, je vais en mettre sur mon garage parce que j'ai besoin de lumière quand je rentre chez moi. » Donc effectivement, on peut avoir des éclairages fonctionnels qui se justifient tout à fait, mais il y a aussi des éclairages plus de mise en valeur esthétique. On va mettre une guirlande de Noël dans le jardin, puis finalement on va l'oublier, elle va rester toute l'année. Voilà. Donc l'éclairage privé se déploie énormément et tend effectivement, comme je le dis, donc quand même à dégrader les efforts faits sur la partie publique. Alors, il y a peu de travaux sur les impacts vraiment d'éclairage dans des jardins particuliers, j'en ai pas trouvé, à part effectivement cette étude de 2018.
qui montre que les simples veilleuses que, pour le coup, beaucoup de particuliers ont dans leur jardin, vous savez, qui servent à baliser un chemin, qui sont des lampes assez faibles, on pourrait dire, bon, bah, il n'y a pas d'impact. En fait, la simple pose d'une lampe suffit à attirer certains insectes. Donc là, c'était sur des coléoptères. Donc ça constitue un piège, hein, à partir de la première lampe, vous voyez, on a quasiment 50% de probabilité d'attraper, en plus, d'attraper un coléoptère à l'endroit de la lampe. Évidemment, ça monte quand on multiplie les lampes. Bon, pour ça, c'est des quantités de lumière très faibles, hein, de l'ordre de 1 lux, donc beaucoup moins qu'un éclairage de voirie, etc. Après, il y a tous les impacts qu'on connaît sur la pollution lumineuse, que je ne vais pas redétailler là. Vous avez sûrement eu la présentation de Nicolas au début, donc sur des choses comme la pollinisation, sur les relations entre proies et prédateurs, sur la chronobiologie, y compris de la flore, etc. On peut imaginer qu'évidemment, tous les éclairages domestiques contribuent à ces impacts, même s'il n'y a pas, à ma connaissance, d'études vraiment spécifiquement sur des jardins de particuliers. Donc ça, en tout cas, ça nous pousse à réfléchir à chaque fois sur l'opportunité même d'éclairer. Hein. C'est vraiment la première règle, à mon sens, d'éclairer le moins possible, de viser une sobriété de l'éclairage. En ce moment, on nous bassine avec la sobriété, mais en fait, on ne parle que de sobriété énergétique. Et donc, j'en reviens à mon effet rebond, on peut aujourd'hui faire des économies tout en mettant davantage de points lumineux ou en éclairant davantage en quantité ou en durée. Donc si on fait ça, on n'a pas résolu le problème de la sobriété de l'éclairage, qui est ce qu'on recherche, hein, nous, en tant qu'écologues. Donc, surtout justement pour les particuliers, il y a plein d'alternatives possibles. Si l'idée, c'est de rentrer chez soi, d'avoir de la lumière pour rentrer chez soi, ben, une bonne vieille lampe torche, un smartphone qu'on a quasiment tous et qui intègre une lampe, peut parfois suffire. Donc, voilà, si c'est juste jeter la poubelle 2 minutes, etc., peut-être que c'est pas la peine de demander à sa mairie d'installer un éclairage fixe et de le maintenir allumé toute la nuit. Voilà, il y a des moyens comme ça de s'en passer et donc de pas installer non plus soi-même un éclairage fixe sur sa façade. Donc ça, voilà, c'est les axes de gestion un peu classiques de l'éclairage, hein, qui s'appliquent aussi aux particuliers. Si on fait le choix d'installer des éclairages, ben, essayez de mieux choisir donc les sources lumineuses pour diminuer les impacts, puisqu'effectivement, ils varient en fonction des types d'éclairage, de leur orientation, etc. De jouer sur la dimension temporelle et sur la dimension spatiale, c'est-à-dire aussi où est-ce qu'on va placer vraiment ces points lumineux. Sur la dimension temporelle, par exemple, il y a cette étude très intéressante qui montre que pour des vers luisants, un éclairage de 15 minutes et un éclairage de 45 minutes n'a pas du tout le même effet. On éclaire des vers luisants pendant environ un quart d'heure, ça va, on sauve à peu près les meubles, on a encore à peu près, vous voyez, 90% des femelles qui continuent à faire de la bioluminescence après avoir éclairé. Si on éclaire plus de 45 minutes, là on a perdu quasiment les trois quarts des femelles bioluminescentes, et puis au bout de 120 minutes, quasiment tout le monde. Donc ça paraît rien, hein, une demi-heure, mais en fait, c'est déterminant pour des espèces comme les vers luisants. Réduire l'éclairage en durée, c'est aussi important que de réduire l'éclairage en quantité et de jouer sur les couleurs. Hein. C'est peut-être même l'une des premières mesures, c'est vraiment de réduire l'éclairage en durée, quoi. Alors évidemment, il y a ce sujet donc des sources lumineuses avec le déploiement des LED. Donc, je vous refais pas tout le topo, je pense que vous en avez tous parlé déjà entre vous. Hein. Donc, les LED qui sont commercialisées aujourd'hui sont faites à partir d'une LED bleue qui est filtrée par une matière jaune, hein, pour faire simple, pour avoir une lumière blanche en sortie qui est plus ou moins riche en bleu. Donc maintenant, la réglementation fixe des seuils, on va en reparler. Mais en tout cas, c'est cette technologie qui permet effectivement un déploiement massif des points lumineux, parce que ces LED consomment peu d'électricité, elles permettent un pilotage facile. Comme ça consomme peu, on peut effectivement avoir des lampes solaires, ce qu'on ne pouvait pas évidemment avoir avec de l'éclairage à sodium ou autre. Mais comme on en parlait tout à l'heure, donc il peut y avoir aussi quelques petits soucis en plus, liés donc à la composition de la lumière, plus ou moins riche en bleu, au scintillement imperceptible, j'en ai parlé, à l'effet rebond, et puis à une lumière plus concentrée aussi, ça on en parle beaucoup moins, mais comme cette lumière, elle sort par des petites puces, hein, tous ces points jaunes que vous voyez là, ce sont des puces LED, et bien du coup, on a ce qu'on appelle une luminance qui est très forte, hein, donc la quantité de lumière par rapport à la surface d'émission, cette luminance est très forte, beaucoup plus que dans une lampe à décharge à quantité de lumière égale. Donc ça peut créer éventuellement des lésions sur les yeux des animaux, on a beaucoup, enfin, un gros manque d'études là-dessus. Alors, la réglementation concerne aussi les particuliers. Donc ça, c'est une surprise pour beaucoup de gens. Mais en fait, l'arrêté ministériel donc de 2018 se base sur des catégories d'usage de l'éclairage qui ont été même identifiées dès 2011 par le décret entre guillemets fondateur des nuisances lumineuses. Donc ces catégories, ce sont celles-ci.
On a donc des catégories de A à G, dont une catégorie qui est l'éclairage donc de sécurité, de confort, en gros les éclairages vraiment fonctionnels qui servent à ce que quelqu'un se casse pas une cheville, ce que voilà, vraiment à assurer la sécurité d'un déplacement ou d'un bien. Donc là-dedans, en fait, il y a les éclairages de voirie d'une commune, mais aussi les éclairages d'un particulier. Typiquement, si c'est une lampe au-dessus de la porte de la maison pour rentrer chez soi, ben, on part du principe que c'est pour assurer la sécurité de la personne quand elle rentre chez elle, pour le confort de son déplacement. Donc c'est un éclairage de la catégorie A, et donc c'est l'une des catégories qui est la plus réglementée. Après, on a les éclairages de mise en valeur, notamment des monuments, mais aussi des parcs et jardins. Là, c'est un peu plus flou. C'est une catégorie qui vise quand même beaucoup plus les éclairages publics. Donc déjà, en ce qui concerne les monuments, on a tous les monuments au sens patrimoine, bâti, etc. Après, en fonction des alinéas de l'arrêté ministériel, c'est là que c'est un peu complexe. Parfois, on parle de cadre bâti, donc du coup, on est sur une notion quand même très large qui pourrait, pourquoi pas, inclure un bâtiment privé dans un jardin. Et pour ce qui est des parcs et jardins, là, le texte dit que ce sont les jardins publics ou bien privés accessibles au public. Donc ça, ça écarte par contre pour le coup les jardins vraiment de particuliers, ils sont vraiment fermés, mais les jardins de copropriété, pour le coup elles sont vraiment citées, en plus les copropriétés, c'est là des jardins qui sont privés, mais qui sont accessibles un peu à tout le monde, on peut rentrer dans le jardin d'une résidence si le portail est ouvert, etc. Bah là, la mise en valeur, donc je parle même pas des éclairages fonctionnels, hein, je parle vraiment de la mise en valeur, si on a des éclairages qui mettent en valeur des arbres ou autres, dans un jardin de copropriété, donc on peut considérer qu'ils sont réglementés par la catégorie B. Donc voilà, c'est essentiellement ces deux catégories qui peuvent concerner des éclairages domestiques. Donc effectivement, la réglementation reconnaît des catégories et pas forcément des propriétaires. Donc, comme je vous disais, en fonction des catégories, ça peut être plus ou moins public ou privé. Et donc par catégorie, on va avoir des prescriptions techniques et ou temporelles qui sont maintenant imposées, qui s'imposent en fait aux éclairages installés après le 1er janvier 2020. Il y a quelques mesures rétroactives, mais globalement, ce sont les éclairages installés après cette date. Donc, si jamais un éclairage n'est pas conforme, éclairage de particulier n'est pas conforme, ben là, c'est le maire qui a le pouvoir de police pour tout ce qui est éclairage privé, donc un commerçant, mais aussi un particulier. Le Code de l'environnement prévoit une amende qui, si je ne me trompe pas, est de l'ordre de 720 euros par point lumineux non conforme. Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de maire qui soit allé sanctionner des particuliers, on en est très très loin, mais il faut savoir que, en théorie, le pouvoir de police existe. Donc, comme je vous disais, voilà, la catégorie A, c'est celle qui vise le plus quand même les éclairages domestiques, parce que ce sont les éclairages de confort. Il est bien précisé le confort des usagers sur l'espace public ou privé. Donc là, vraiment, il n'y a aucun doute que l'éclairage, le cheminement dans le jardin d'un particulier, l'éclairage au-dessus d'un garage, l'éclairage sur une terrasse, voilà, tout ça, c'est de la catégorie A, il n'y a aucun doute. Pour la catégorie B de la mise en valeur, je vous dis, donc, ça peut intégrer soit le cadre bâti, là, la notion est plus floue. On peut imaginer qu'une dépendance dans le jardin d'un particulier, ce soit un cadre bâti, hein. Et puis, pour les jardins, donc, c'est soit les jardins publics, soit les jardins privés accessibles au public. Donc, les copropriétés, typiquement, sont citées. Voilà. Donc voilà les catégories, donc voilà quelques exemples effectivement d'éclairages qui pour moi sont clairement des éclairages de la catégorie A destinés à assurer la sécurité, le confort des usagers, donc les éclairages sur le fronton des portes, voilà, que ce soit une terrasse ou directement sur la voirie, des éclairages comme ça pour entrer donc, dans son garage, voilà, tout ce genre de choses, pour moi c'est de la catégorie A, donc il y a une réglementation qui s'applique aussi aux particuliers. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette catégorie A? Elle limite la lumière émise au-dessus de l'horizontale, 4% maximum. Elle limite la température de couleur, donc c'est-à-dire globalement est-ce que la lumière est plutôt chaude ou froide. Donc là, la valeur qui est donnée, c'est 3000 Kelvin. Donc c'est vrai qu'on a en tête le fait que ça s'impose aux éclairages de voirie d'une commune, mais comme je vous dis, ça s'impose aussi en fait aux éclairages de particuliers. Donc si vous achetez à Leroy Merlin ou à Bricomarché, pour pas faire de pub, une LED 4000 et que vous l'installez au-dessus de votre porte de la maison, au jour d'aujourd'hui, on est après le 1er janvier 2020, vous n'avez pas le droit de le faire en théorie. Voilà. Quantité de lumière par mètre carré aussi, il y a une limite, donc ça c'est ce qu'on appelle la DSFLI, qui a une valeur différente si on est en aglo ou hors aglo. Le code flux CIE3, donc ça c'est une mesure un peu barbare pour dire qu'on veut que la lumière soit quand même ciblée, qu'elle ne morde pas trop au-delà de la surface qu'on veut éclairer, donc il faut que 95% de ce flux lumineux se retrouve dans un cône défini. Par contre, dans cette catégorie, il n'y a pas de restriction, il y a une restriction horaire au sens où l'allumage doit se faire au coucher du soleil et l'extinction au lever du soleil, mais il n'y a pas d'extinction qui soit imposée en cœur de nuit. Hein, donc, ça vaut pour les communes. Toutes les communes qui éteignent l'éclairage en cœur de nuit, c'est une mesure volontaire qui n'est pas du tout obligatoire. Pour les particuliers, c'est pareil. Vous pouvez par contre laisser allumer votre,
devanture de garage toute la nuit. Pour moi, alors, il te reste environ 2 minutes. Ok, alors j'accélère. La règle aussi, c'est que si les éclairages sont installés après, avant le 1er janvier 2020, cette fois-ci, avant, mais que 50% de leur flux est émis au sud de l'horizontale, eux, ils doivent être changés aussi avant 2025. Donc, ça concerne notamment toutes ces boules qu'on a beaucoup dans les jardins de résidence, justement. Une règle générique, c'est celle qui est relative aux surfaces en eau, qui, pour le coup, est très générique. Donc, elle ne vise, pour le coup, aucune catégorie en particulier. C'est tous les éclairages, hein. Les installations d'éclairage visées à l'article 1er, donc de toutes les catégories prises en compte par l'arrêté ministériel, n'éclairent pas directement les surfaces en eau. Ça vaut pour un cours d'eau, une mare dans un bain, etc. Et donc, ensuite, au-delà de la réglementation, on peut aussi donner des conseils. Hein, donc, c'est ce que j'ai tenté de faire dans un article que vous pouvez retrouver en ligne avec cette infographie, donc d'une gestion, on va dire, la moins vertueuse, avec des éclairages justement en contre-plongée, la mare éclairée, en valeur des bâtis, etc., jusqu'à une gestion beaucoup plus vertueuse où on a un éclairage qui est quasiment restreint au fonctionnel, le garage ou l'allée, des couleurs plutôt chaudes, de la détection de présence, etc. Et puis aussi, donc, ce petit spot publicitaire, enfin, de l'émission Consomag, que vous pouvez retrouver en ligne, qui a été diffusé là, courant septembre. Donc, ça fait partie d'une petite série que l'OFB a fait avec Consomag. Donc, il y a une capsule qui concerne justement spécifiquement l'éclairage des particuliers. Voilà. Qui redit à peu près tout ce que je viens de vous dire là. Merci, Romain. Voilà. Pour cette présentation, on se fera le plaisir de rediriger sur tous les documents que tu viens de citer. Un élément de repère sur l'impact d'une lumière qui est impactante dès un lux, c'est environ l'intensité d'un clair de pleine lune. Voilà, pour avoir un ordre d'idée. Donc, dès les plus petites intensités, on peut commencer à impacter certaines espèces. Voilà. Je propose maintenant de passer la parole à Léa Juré, de la Fédération nationale des parcs naturels, qui va nous présenter un kit destiné aux familles qui souhaitent protéger la biodiversité. Léa, tu as 10 minutes. 10 minutes, ok. Alors, c'est parti. Je vais partager mon écran. L'idée, c'est aussi de ne pas être trop redondante avec ce qu'a présenté déjà Romain, notamment l'illustration, la dernière illustration qui est très parlante, très intéressante, même nous pour le défi, ça pourrait être assez parlant. Donc, bonsoir à tous. Moi, je vais vous parler d'un dispositif qui s'appelle le défi famille à biodiversité positive. Alors, vous n'en avez peut-être pas encore tous entendu parler parce que c'est un dispositif qui est en cours de construction, en expérimentation dans le réseau des parcs naturels régionaux de France. Et là, je vais notamment vous faire un focus sur le volet éclairage et biodiversité qu'on propose dans le cadre de ce défi. Faire un premier point sur qu'est-ce que le défi famille à biodiversité positive pour vous expliquer un peu ce dispositif. C'est un dispositif qui est donc porté par le réseau des parcs naturels régionaux et qui est financé par l'OFB et cette année aussi par le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires via le CGDD. L'objectif de ce défi, c'est d'accompagner des familles qui souhaitent réduire leur empreinte biodiversité dans leur quotidien de manière ludique à travers des défis thématiques. Et en fait, le concept qui sous-tend ce dispositif, c'est la notion d'empreinte biodiversité d'un individu. C'est-à-dire que l'ensemble de nos actions, de nos choix de consommation, nos modes de vie, elles ont un impact sur la biodiversité, tant à l'échelle locale qu'à l'échelle globale. L'exemple aussi qu'on cite souvent, c'est l'alimentation. Par exemple, à travers notre consommation de thé ou de café qui n'est pas locale, et bien, peut y avoir un impact sur la biodiversité qui est à une échelle beaucoup plus large sur d'autres pays, voire d'autres continents. Comme je vous disais, c'est un dispositif qui se construit par l'expérimentation. En fait, on avance en marchant. Les défis thématiques, ils sont construits en lien avec les animateurs locaux du défi dans les PNR, avec les familles qui sont aussi impliquées dans le dispositif et puis avec différents partenaires. Donc, cette expérimentation, elle s'étend de 2021 à 2023. On a vocation à ouvrir le dispositif en 2024. Donc là, on capitalise toutes les informations et puis on le construit. Entre 2021 et 2022, il y avait 12 PNR animateurs, donc il y a déjà aussi des parcs animateurs listés pour 2023. Donc voilà, il y a une petite carte avec les parcs qui sont impliqués dans le défi. Et pour vous faire un petit point sur les principales étapes de ce défi, ça passe par un recrutement d'une dizaine de familles volontaires par parc.
Donc, ça fait à peu près une centaine de familles accompagnées par an. Il y a une phase de préparation des défis avec, avec les familles en concertation avec le parc en fonction de leurs besoins, de leurs objectifs. Et après, des ateliers de sensibilisation et des rencontres individuelles et collectives pour accompagner les familles, à la fois pour comprendre les liens entre leurs actions et la biodiversité et les impacts sur la biodiversité et comment réduire ces impacts sur la biodiversité. Alors, ce défi, il s'inspire d'autres dispositifs que vous avez peut-être déjà entendu parler, notamment le défi famille à énergie positive qui a été pas mal expérimenté aussi dans le réseau des parcs, le défi foyer alimentation positive et le défi zéro déchet avec qui on a vocation à créer des passerelles dès 2023. Et dans le cadre de ce défi, on propose en fait différents thèmes qui sont liés directement aux enjeux de préservation de la biodiversité, à savoir l'alimentation, le jardinage, l'éclairage, nos modes de déplacement, les produits qu'on utilise aussi pour entretenir son logement, sa santé, voilà, les produits d'hygiène cosmétique, ses loisirs et également cette année le thème de la forêt et du bois. Alors là, on va faire plus particulièrement donc un focus sur l'éclairage et la biodiversité. Ce que je vais vous énoncer, ça va être plusieurs exemples de gestes à adopter pour réduire son empreinte, pour réduire l'impact de l'éclairage sur la biodiversité. Et en fait, pour vous reconceptualiser un petit peu, cette année, on bénéficie d'un accompagnement scientifique par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité qui nous aide à réaliser des fiches de cadrage thématiques, donc c'est-à-dire par thème qu'on a proposé, notamment éclairage et biodiversité, qui sont à destination des animateurs du défi, où en fait on liste pas mal d'éléments scientifiques, des grands principes qui peuvent être abordés par les animateurs pour sensibiliser les familles, et puis des exemples de gestes à adopter avec aussi tout un lot de ressources mobilisables. Il y a aussi une deuxième action qui est de construire avec la FRB des autodiagnostics pour évaluer son empreinte biodiversité, donc un autodiagnostic sur l'alimentation, un autodiagnostic sur l'éclairage, et là qui peut être directement remplissable par les familles au moment où ils commencent le défi, à mi-chemin, et puis aussi quand ils terminent le défi pour voir l'évolution de leur empreinte. Et donc cet autodiagnostic, l'intérêt en fait pour comprendre les liens avec la biodiversité, en fait on l'a construit au regard des 5 menaces sur la biodiversité, donc qui sont listées par l'IPBES, à savoir le changement d'usage des terres et des mers, l'exploitation directe de certains organismes, le changement climatique, les pollutions et les espèces exotiques envahissantes. Et sur pollution lumineuse, en fait, ça recoupe différentes menaces, donc directement la pollution, mais également le changement d'usage des terres et des mers, notamment par la fragmentation des habitats, et également le changement climatique via la consommation d'énergie et puis de matériaux nécessaires pour créer des lampes, des éclairages. Alors, on va passer sur des propositions de gestes à adopter qui peuvent être plus favorables à la biodiversité. Donc, comme l'a dit Romain tout à l'heure, effectivement, les particuliers ont un rôle à jouer pour réduire leur impact sur la biodiversité à travers leur mode d'éclairage. Donc, que ce soit à l'extérieur, je ne vais pas reciter les chiffres, mais effectivement, d'ailleurs, il y a même une faute, puisque c'est bien 2016, il y a une bonne proportion des Français qui ont un espace extérieur, ça peut être une terrasse aussi ou une cour, quelque chose de voilà de où il y a des modes d'action, mais on verra aussi qu'il peut y avoir on peut avoir aussi un impact à travers nos modes d'éclairage à l'intérieur. Donc je vais passer quand même assez rapidement sur les solutions à l'extérieur puisque Romain l'a évoqué, mais effectivement la meilleure solution c'est de pouvoir éteindre toutes les lumières extérieures si l'éclairage est quand même indispensable. Les préconisations, c'est d'orienter les lumières extérieures vers le sol, d'éclairer uniquement des zones qui sont empruntées, de privilégier aussi des systèmes intelligents avec des détecteurs de présence. De ce fait, exit les lampes boules qui en plus sont interdites dans l'éclairage public. Donc, tout ça pour éviter la création d'un halo lumineux qui peut être à la fois répulsif ou attractif pour les espèces nocturnes, comme tu l'as évoqué en introduction, Nicolas, et aussi pour laisser certaines zones un peu de sombre pour la biodiversité, de quiétude dans son jardin. On peut aussi jouer sur les températures de couleur d'éclairage, effectivement, d'aller plus sur des éclairages aux couleurs chaudes qui sont moins impactantes que les lumières de couleur froide, et ces lumières de couleur froide qui diffusent en plus davantage dans l'atmosphère. Ce qu'on peut préconiser, c'est pour vraiment mettre en relation
le type d'éclairage, si on doit en mettre dans son jardin, de se renseigner auprès d'associations naturalistes pour savoir vraiment voilà, quelle biodiversité il y a autour de nous et comment est-ce qu'on peut éviter, réduire l'impact sur cette biodiversité via nos modes d'éclairage. Alors là, on passe sur une partie qui, effectivement, peut être assez, assez impactante. Le fait de, voilà, de préférer des décorations non lumineuses à des décorations, notamment en période de fête, voilà, les chiffres disent qu'il y a quand même 75% de la surconsommation qui est due aux éclairages de Noël et qui provient en fait de l'éclairage des particuliers. Donc c'est même plus que l'éclairage public. Donc on voit bien avec voilà, toutes les guirlandes lumineuses, aussi les projecteurs de façade qui ont un impact conséquent. Il y a aussi la question de l'éclairage de décoration, d'ambiance. Et en fait, on se rend compte, c'est vrai que pour trouver des illustrations, c'est pas très compliqué parce qu'il faut aller sur des magazines de décoration ou c'est des sites internet de déco. Et puis, ça pose aussi la question de ah bah, peut-être que ça pourrait être aussi un public à sensibiliser parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est beaucoup recherché et qui est synonyme de beau. Mais le beau n'est pas forcément bon pour la biodiversité. Donc, y aurait potentiellement un travail aussi à faire dessus. Et on voit aussi que même si on n'a pas un jardin mais qu'on a une terrasse, on a quand même potentiellement aussi un impact à travers notre mode d'éclairage de nos terrasses ou de nos balcons. Donc voilà, ça rejoint sur les impacts biodives, c'est effectivement ça a toujours un effet répulsif ou attractif selon les espèces. Et il y a aussi une multiplication du nombre de lampes, de points lumineux, bah, qui en fait a un impact. Plus on multiplie le nombre de points lumineux, plus on a besoin de lampes. Et en fait, ces lampes elles contiennent des matériaux rares dont l'extraction peut avoir des conséquences environnementales. Et donc impacter la biodiversité à une échelle bah justement plus globale qui n'est pas forcément chez nous. Donc, voilà, le petit conseil, c'est si les lampes n'ont pas une utilité d'éclairage, et bah, il vaut mieux s'en passer. Maintenant, si on passe à l'intérieur. Alors à l'intérieur, c'est vrai que le béaba, bah, quand on éteint les lumières, quand on quitte une pièce, c'est vraiment le geste le plus simple à adopter. Ça permet déjà de faire une consommation d'énergie et puis de réduire l'effet répulsif ou attractif. Voilà, des insectes qui rentrent dans une pièce qui reste éclairée. Donc voilà, c'est vraiment un geste très très simple à adopter, en plus de faire des économies pour son porte-monnaie. À l'intérieur aussi, on peut préconiser de fermer ses rideaux et ses volets lorsque la nuit tombe. C'est pareil, ça émet moins d'émissions de lumière artificielle à laquelle les espèces peuvent être sensibles. Et ça permet aussi de faire quelques petites économies de chauffage en hiver. Donc souvent, il y a des enjeux biodiversité, mais il y a aussi des enjeux économie d'énergie, voilà, qui sont pas négligeables. C'est vrai qu'on a évoqué que les LED n'étaient pas forcément toujours une très bonne solution pour l'éclairage extérieur parce que c'était des températures de couleur quand même assez, assez froides. Mais c'est vrai que pour l'intérieur, en cherchant un peu sur des rapports de l'ADEME, en fait, quand on parle d'impact environnemental d'une lampe, elle est déterminée par son efficacité à la fois à produire de la lumière, par sa durée de vie et par son potentiel recyclable. Et en fait, on se rend compte du coup que l'impact des lampes LFC et des lampes LED est inférieur à des lampes type halogène, incandescente, un petit peu plus ancienne et qu'on retrouve de moins en moins dans le commerce, mais qui ont du coup un impact conséquent. En fait, selon l'ADEME, l'utilisation de lampes fluorocompactes et de LED en fait, permettrait de réduire jusqu'à 75% les impacts environnementaux, c'est-à-dire à travers l'extraction des matériaux, les émissions de gaz à effet de serre et la pollution qui, elle, bah, du coup, a un impact sur la biodiversité, bah, toujours à une échelle un petit peu plus globale. Une des préconisations aussi qui est faite, c'est d'utiliser des éclairages bah, directs et en fait qui permettent de réduire la consommation d'énergie, qui sont un petit peu plus économes en énergie, donc préserver la durée de vie des lampes, éviter de les renouveler, donc c'est pareil, de réduire en fait le... l'achat, la consommation de nouvelles lampes qui sont produites à partir de matériaux rares et dont l'extraction est impactante pour la biodiversité. Un point aussi sur le recyclage, c'est vrai que à travers le recyclage, on peut aussi réduire son empreinte sur la biodiversité. Alors, il faut savoir que toutes les ampoules ne se recyclent pas. Les ampoules à filaments un petit peu plus anciennes ne possèdent pas de filière de recyclage, donc elles vont directement en poubelle ménagère, mais les LFC et les LED, elles, ont des filières de recyclage. Donc, à travers la déchetterie, les supermarchés, dans des magasins de bricolage, on peut redéposer. Et ça permet de recycler et donc d'éviter d'extraire de nouveaux matériaux et aussi de réduire le risque de pollution à la nature, puisque ces lampes contiennent des poudres fluorescentes
du mercure, voilà, qui, si elles se libèrent dans la nature, peuvent avoir un impact sur l'eau, les sols et donc la faune et la flore. On s'est aussi intéressé aux copropriétés. Comment est-ce qu'on peut réduire son impact quand on habite en appartement et comment est-ce qu'on peut sensibiliser aux propriétés? Alors, on peut proposer au syndicat des détecteurs de présence avec des lampes basse consommation, voilà, de couleur chaude. Ça reprend un peu tous les principes qu'on a évoqués précédemment. Réduire la minuterie d'éclairage et puis aussi le nombre de points lumineux. Et en fait, il faut savoir que l'éclairage des espaces communs représente jusqu'à 30% des consommations électriques de la copropriété. Donc, en réduisant l'éclairage, ça permet de réduire déjà les charges des copropriétés et en plus de réduire directement l'impact de l'éclairage sur la biodiversité et de réduire la contribution au halo lumineux, notamment quand on se trouve dans les villes. Il y a juste un petit arrêté à prendre en compte, c'est l'arrêté, alors j'ai pris une petite note parce que l'arrêté, le nom de l'arrêté n'est pas forcément facile à retenir, c'est un arrêté qui fixe les dispositions du Code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public. C'est pour des normes de sécurité et d'accès à des personnes handicapées, donc il y a un niveau d'éclairement minimum. Donc, voilà, je vous ai juste mis les informations ici, mais vous pourrez retrouver tout le détail de l'arrêté en ligne. Et pour finir, voilà, c'est des exemples d'actions qui ont été mises en place dans les parcs animateurs depuis 2021. On a notamment l'Aubrac qui avait créé des cartes de défis à proposer aux familles et notamment le geste de ne plus du tout éclairer ses extérieurs, de modifier, de supprimer ces espaces, d'apprendre aussi à connaître les conséquences de son éclairage sur la biodiversité avec voilà, quelques petits outils, des conseils. Il y avait le parc des Préalpes d'Azur qui avait réalisé aussi une fiche à destination des propriétés privées et des copropriétés. En fait, ils avaient recruté des familles qui habitaient dans des copropriétés, donc ils ont pu jouer sur ce levier et aussi inciter du coup d'autres familles des copropriétés à s'investir dans le défi. Et en 2022, fin 2022, là, il y a des défis qui sont à venir dans le parc naturel régional du Pilat. Donc, ça va apporter aussi encore un peu d'éléments, capitaliser des nouveaux outils qui sont mis en place dans ce parc. Merci pour votre attention. Bien, merci à toi, Léa, de cette présentation. Un élément de compréhension, qu'on soit bien en phase. Dans les diapositives, tu mentionnes que 75% de la surconsommation du Opéra de Noël est due à l'éclairage privé. Comprenons bien, si on est d'accord, c'est 75% des éclairages de Noël qui sont induits par les particuliers. On est c'est ça. Pas 75% de la consommation électrique d'une commune. Voilà. Non, parce que, il y aurait bien une petite possibilité d'interprétation différente. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour qu'on s'en rende compte. Et merci d'avoir cité le cas des personnes à mobilité réduite et notamment aussi des déficients visuels. Il est important que dans les déploiements de l'éclairage public, les démarches permettent de faire un éclairage inclusif qui prenne en compte les besoins de chacun. Et je retiens de ton intervention, notamment et celle de Romain, qu'il ne faut pas hésiter à aller plus loin que la loi. Il y a des normes qui peuvent nous guider. Elles sont, comme l'a dit Virginie, non obligatoires, ces normes. Des fois, la loi nous impose des choses, mais rien ne nous oblige d'aller plus loin. Et si, sans aller plus loin, certaines personnes ne respectent pas la loi, Manon Riotorp va nous donner quelques billes juridiques. Manon, tu n'es pas juriste, mais tu vas parler au nom d'une avocate avec qui tu as co-créer un guide, un kit, notamment, qui permet d'avoir des armes pour se faire entendre. Voilà, je n'en dis pas plus. Oui, du coup, je vais essayer d'être rapide pour pouvoir laisser la place aux questions. Alors, je vais présenter rapidement ce... En effet. Pourrais-tu passer en plein écran, Manon? Oui. C'est tout bon. C'est tout bon? Alors, dites-moi. Oui, c'est parfait, mon tupé. Parfait. On a, en fait, chez Agir Plan Environnement, au fur et à mesure des éditions du Jour de la Nuit et de notre campagne qu'on mène contre la pollution lumineuse, c'est vrai qu'on a quand même reçu pas mal de témoignages de citoyens qui ne savaient pas exactement quoi faire face à des lumières qu'ils considéraient soit intrusives, soit gênantes. Donc, ça pouvait être... je ne comprends pas pourquoi cette vitrine est allumée, j'ai une lumière qui vient directement dans ma cuisine et je ne sais pas quoi faire, ça me dérange. Est-ce que ce bâtiment, ce local professionnel est censé rester allumé?
Bref. Donc, face à toutes ces questions, on s'est rendu compte que finalement, l'arrêté de 2018, dont on a déjà parlé pendant ce webinaire, du coup, était finalement peu connu, tant par les citoyens que par les personnes qui sont censées l'appliquer, au fond. D'où l'idée de créer un petit kit pratique. Alors, l'idée, c'était que ce soit vraiment une prise en main facile. Donc, on ne voulait pas non plus parler de tous les aspects techniques de l'arrêté. On s'est vraiment focalisé sur les horaires d'extinction, parce que c'est le moyen le plus facile de vérifier si une lumière est légale ou non. On n'a pas pris en compte l'orientation de la lumière, la température de couleur, parce que voilà, c'est déjà bien de regarder un peu les horaires. On a créé ce kit avec une avocate qui ne peut pas être là, mais je vais quand même essayer de retranscrire un peu et de parler dans les grandes lignes de la procédure à suivre pour lutter contre ces lumières. Si jamais il y a des questions, je le précise, mais elle est tout à fait ouverte à répondre à des sollicitations, des petites précisions, et le kit est évidemment en ligne. Donc, pour ne pas faire trop long, parce que je pense qu'on en a déjà parlé, on rappelle dans le kit les horaires d'extinction nocturne à respecter. Donc là, vous avez les exemples de publicité, pré-enseigne, enseigne lumineuse, vitrine de magasin, éclairage des locaux professionnels et façade des locaux. Le kit n'est plus à jour depuis jeudi dernier, puisque le décret du 6 octobre précise que maintenant, pour les publicités et pré-enseignes lumineuses, quelle que soit la taille de l'agglomération, elles sont censées être éteintes entre 1h et 6h du matin. Donc là, c'est plutôt clair. Pour les enseignes lumineuses aussi. Pour les vitrines de magasins, bon, je ne vais pas forcément revenir dessus, mais c'est entre 1h et 7h, sauf si l'activité est plus tardive ou plus tôt. Pour les bâtiments professionnels, c'est au plus tard 1h du matin, jusqu'à 1h du matin, voilà. Ce qui fait dire à notre avocate qu'en France, la lumière en pleine nuit privée de ce type-là est dans la plupart du temps illégale. Donc, on a des moyens pour agir. Je précise aussi, parce que c'est assez important, qu'on peut tout à fait être confronté à des nuisances lumineuses, mais ne pas en être victime. C'est-à-dire que si jamais on repère qu'il y a une nuisance illégale, on peut tout à fait agir. Pour la lumière intrusive, c'est différent. C'est-à-dire la lumière intrusive, c'est le fait d'être directement impacté par une lumière qui arrive dans notre logement. Et même si cette lumière ne provient pas d'un... j'ai précédemment évoqué d'une enseigne lumineuse ou d'une source de lumière qui est concernée par l'arrêté de 2018, en fait, on peut lutter contre une lumière intrusive, quelle que soit la source. C'est même important, enfin, on peut agir, on a les moyens légaux pour le faire. Normalement, on n'a pas à subir ce type de lumière. C'est une précision importante du kit. Alors, pour les moyens d'action, donc pareil, rapidement, je vais vous la faire la logique. En fait, il y a un schéma quand même à suivre. D'abord, c'est la tentative à l'amiable, c'est-à-dire aller parler directement avec la personne qui est à l'origine de la source de lumière dérangeante ou illégale. Donc, quelle que soit cette personne, vous pouvez aller directement la contacter ou, si jamais vous ne vous sentez pas de le faire, on peut signaler cette lumière à la police. Si ça ne fonctionne pas, on peut se tourner vers le maire qui est compétent pour traiter ce genre de questions, sauf s'il s'agit d'un éclairage public. Et là, c'est-à-dire un lampadaire, enfin tout ce qui concerne l'éclairage communal, dans ce cas-là, il faut se tourner plutôt vers le préfet ou la préfète de la région, de là où vous habitez. Si ces démarches ne fonctionnent pas, ensuite, il faut se tourner vers un délégué du défenseur des droits du département, puis ensuite vers le défenseur des droits. Et si vraiment toutes ces démarches ne fonctionnent pas, dans ce cas-là, on arrive à l'étape contentieuse. Je vais pas tout détailler ici sur l'étape contentieuse, mais c'est vrai que ça dépend beaucoup aussi du montant du préjudice. Si vous avez, il faut accumuler beaucoup de preuves aussi, c'est une démarche lourde qui n'est pas forcément conseillée par notre avocate. Mais si vraiment c'est par exemple une lumière intrusive très lourde et que vous avez engagé beaucoup de dépenses en volet occultant ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant, en tout cas ça peut se justifier. Voilà, mais je ne peux pas trop m'avancer sur l'étape contentieuse, c'est expliqué dans le kit et c'est vraiment en fonction des situations. Pour finir,
Pour finir, pour aider un maximum, on a aussi pré-rédigé des modèles types de lettres en fonction des acteurs auxquels, vers lesquels on doit s'adresser. Donc, on n'a plus qu'à remplir ces lettres avec la situation précise à laquelle on est confronté et on n'a plus qu'à l'envoyer normalement et à espérer que ça fonctionne. Voilà, très rapidement sur le petit kit qui se trouve du coup sur Internet et que je peux remettre dans le chat. J'espère avoir été concise. Merci Manon, il est 20h, c'est magnifique. Parfait. Donc on retient bien l'avantage du dialogue et de la concertation avant d'aller au contentieux qui n'est jamais acquis. Mais on observe globalement que dès qu'on parle de lumière et qu'on met tout le monde autour de la table, il y a le lever de bouclier, mais quand on arrive à des nuisances personnelles subies de façon assez forte, les consensus sont assez immédiats. La ville d'Orsay avait confié avoir détecté une lumière intrusive chez un particulier qui avait manifesté. En une demi-heure, c'était réglé grâce à la télégestion. Donc voilà, dialoguons avant d'aller au contentieux et faisons plus de concertation sur l'espace public. Il est 20h01, on ne va pas continuer ce webinaire jusqu'à l'aube, mais pour le mot de la fin, je souhaiterais donner la parole à Quentin Rouy au sujet justement du fait que si... c'est pas le mot de la fin d'ailleurs, il y aura Philippe Moutet qui va arriver, mais juste un dernier mot d'écologie et de poésie aussi, pour faire écho aux propos de Virginie, sur l'aube et le crépuscule. Si on voit bien que la réglementation, Quentin, nous oblige à éteindre en cœur de nuit, il y a encore ces périodes charnières, début de nuit et fin de nuit, qui sont un peu dans le flou quantique réglementaire et des habitudes. Et pour l'écologie, c'est pas anodin, je te laisse répondre. Merci Nicolas. Oui, effectivement, quand on parle de biodiversité, il faut aussi s'intéresser à l'écologie au moment où les animaux sont les plus actifs. Et effectivement, pour un énorme cortège d'espèces, en fait, la plus grosse période d'activité sera sur la période crépusculaire, donc à la tombée du jour ou au lever du jour. Alors, je me suis présenté tout à l'heure sur les chauves-souris, donc je vais vous reparler chauves-souris. Les espèces se croisent au moment du crépuscule. Les chauves-souris, au moment où, selon la législation, on peut encore laisser les éclairages actifs. Et le fait de laisser ces éclairages actifs sur cette période-là va retarder la période de chasse des chauves-souris qui vont sortir plus tard finalement, vu qu'elles sont gênées par la lumière, et vont trouver une ressource alimentaire qui sera plus faible. Ça va avoir une incidence par exemple sur l'élevage des jeunes derrière. Les chauves-souris n'ayant qu'un seul petit par an, elles les allaitent, elles vont avoir un lait moins riche, et c'est des petits qui passeront potentiellement pas l'hiver derrière, et en plus de ça, ça crée du coup une disparition des populations qui est assez dure à mesurer, parce que c'est pas un impact direct, mais indirect. Donc l'extinction, il faut aussi la réfléchir un peu plus loin que l'extinction en cœur de nuit, sur la saisonnalité. Alors, c'est quelque chose que par exemple le PNR du Gâtinais a fait très bien sur son territoire, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine période de l'année, à partir du mois de mai par exemple, on n'allume plus. Donc y a plus, on ne parle plus d'extinction parce que de toute façon on n'allume plus la lumière dans la commune, sachant qu'en plus de ça, le jour se prolonge assez tard et souvent on croise les usages humains peuvent bénéficier de la lumière naturelle le plus longtemps et n'ont pas besoin du relais de la lumière artificielle. Voilà. Merci Quentin pour ces précisions. Et du coup, le vrai mot de la fin pour Philippe Moutet, directeur de la Fédération des parcs naturels régionaux de France. Philippe, c'est à toi. Merci. Alors, je ne suis pas le directeur, je vais en informer le mien pour lui dire. Mais tu as une petite promotion ce soir. Tu lui feras un petit mail. Donc, moi, je voulais juste vous remercier d'avoir pris le temps aux participants de découvrir cet angle sur la nuit, puisque la nuit, c'est l'affaire de tous. Et surtout, c'est-à-dire que ces questions de lumière, je pense que grâce à, j'ose pas dire qu'on a eu des éclairages, mais grâce aux différentes interventions, on a pu en percevoir d'une part les impacts pour certains que vous connaissiez peut-être pas sur des questions de santé ou autres. Vous avez pu également découvrir que les collectivités se sont engagées dans le sujet depuis pas mal de temps avec des associations. Il y a des opérations qui sont des opérations couplées avec habitants, citoyens et collectivités, entreprises, etc. Je pense particulièrement au jour de la nuit qui sera aussi votre activité, votre actualité de ce week-end. Vous avez pu voir également que les parcs naturels régionaux et notamment les parcs franciliens sont fortement engagés là-dessus. Et vous avez pu comprendre que c'est aussi par des textes réglementaires que pour la plupart vous ignorez, c'est pas très grave sur le fond parce qu'on passe pas son temps à les lire, mais qui nous incitent dans les parcs à être particulièrement vigilants.
Vous avez pu voir aussi que finalement, votre jardin, et grâce à notamment Romain Sordéolo et Léa Juré, puis également la question des chauves-souris, même si on a peut-être moins dans votre jardin visible, vous avez pu découvrir qu'il y avait une richesse finalement de chaque jardin très très forte, et que les gestes qu'on a sur son éclairage de jardin sont plein de conséquences pour conserver cette qualité-là. Vous avez pu également voir qu'aujourd'hui, avec la crise ukrainienne, la hausse de l'énergie, beaucoup de collectivités se disent ben, finalement éteindre, c'est nécessaire parce que la crise financière est là, on ne pourra pas payer, et que le risque qu'il y a derrière, c'est de penser aux finances, qui est très important pour les élus comme pour ceux qui payent des impôts locaux, mais d'en oublier qu'il y a un enjeu de biodiversité. Je pense que dans ce webinaire des chances, c'est sans doute cela qui est important, c'est de se dire que la maîtrise de l'énergie, c'est important, la maîtrise des coûts financiers, c'est extrêmement important, mais que la biodiversité, ça l'est tout autant et c'est permanent, quels que soient les crises en Europe ou les prix d'énergie qui flambent. D'autre part, vous avez vu que vous pouviez être des acteurs avec des gestes simples et des actes un peu plus complexes quand il s'agit de souligner des errances de certains. Et vous avez un kit qui a été mis à votre disposition. Vous avez pu également constater, je pense, que le radicalisme n'est pas toujours la bonne chose. C'est-à-dire qu'on peut encore éclairer. Il ne s'agit pas de dire tout doit être noir, mais on peut le faire intelligemment et avec mesure. Et ça a été aussi mis en avant pendant ce webinaire. Vous avez pu également constater qu'il y a quelques lieux communs qui sont tombés, comme celui de la sécurité qui est souvent évoqué. Non, il n'y a pas plus de délinquance quand on éteint. D'ailleurs, c'est pas pratique quand on veut rentrer chez les gens avec une lampe torche pour chercher. On se voit dans tout le quartier. Et comme disaient certains élus, c'est plutôt quand vous faites vos courses le samedi que les cambrioleurs viennent chez vous, parce qu'eux aussi ont besoin de voir clair. Donc ça, c'était aussi des choses à évacuer. Et puis l'important aussi, c'est que le bénéfice, il est pour tout le monde, pour la biodiversité, pour vous, dans plein de domaines. Et ça renvoie à un sujet actuel, on parle de santé globale. Travailler sur la biodiversité dans votre jardin, sur la préservation de la nuit, c'est d'abord pouvoir profiter d'un ciel étoilé, pouvoir entendre la vie nocturne qui s'y passe. Et puis en même temps, c'est bon pour votre santé. Donc je n'ai qu'une chose à vous dire, c'est que je vous invite à passer à l'action. Avec sobriété, certes, même si le mot a été un peu décrié, mais de passer à l'action et vous verrez que c'est relativement simple et qu'après, vous vous poserez la question pourquoi j'éclairais autant précédemment. Voilà, Nicolas, pour une synthèse assez rapide, mais je pense que 20 heures passées, beaucoup de participants ont envie de passer à autre chose, si je puis dire. Merci Philippe pour ces mots de conclusion qui résument très bien nos échanges. Merci à tous d'avoir assisté à cette rencontre et je vous dis à bientôt.